Bien. Chers collègues, je vous propose, il est 18h02, que nous démarrions ce conseil municipal et les quelques éventuels retardataires nous rejoindront. Je vais demander à Madame Haugenois de procéder à l'appel. Merci. Oui, bonjour. Traval Michelet Karine, Simion Arnaud, Berry Séven Martine, Corby Christophe, Vauchard Caroline, Briançon Philippe, Casalis Laurence, Rioux Benjamin, Clouscar Martinato Catherine, Aïtali Cédric, L'Abbé Ségolène, Boubidi Sophie, Ribéron Franck, Mourgue Josiane, Stambach Agathe, Dupuis Thierry, Mackilton Romy, Aubin Théodore, Monté Norbert, Bengoa Ali, Lothar Voisin Véronique, Gonen Gokan, moi-même présente, Sarallier Claude, Chanchorle Marie-Christine, Vergnol Pierre, Malem Elisabeth, présente. Pradel Marie, Crébassa Francky, Biroli François, présente. Jimena Patrick, présente. Zagdoudi Saloua, Lamy Thomas, Aubé Elodie, présente. Berthollet Claude, présente. Vasquez Francis, Martin Sabrina, Kazmarek Eric, Fratelli Valérie. Retardée, elle arrive. Merci beaucoup. Bien, chers collègues, je voudrais ouvrir ce conseil municipal par un hommage à notre collègue et amie Marie-Odile Bertrand. L'annonce du décès de Marie-Odile Bertrand, une mère, et nous saluons ses enfants, Marion, Stéphanie, Xavier, une grand-mère, une parente, une amie, une conseillère municipale, une voisine, en tout cas une columérine, l'annonce de son décès nous a plongés dans une immense tristesse. Marie-Odile Bertrand a mené un combat hors du commun, contre la maladie, injuste, cruelle. Cette force, elle l'a employée au service de ses convictions. Sa détermination nous a rapprochés depuis plusieurs années maintenant, jusqu'à nous réunir, politiquement, en 2020, vous le savez. Marie-Odile Bertrand vivait ses engagements. Quand on parlait de République, elle ne transigeait pas sur les valeurs. Présidente du comité d'éthique du Conseil municipal des jeunes, elle se souciait de la transmission des valeurs démocratiques et humanistes. Elle incarnait la citoyenneté. À l'écologie, elle associait respect de l'environnement et du patrimoine. Là encore, sa volonté de transmettre guidait son action. Sensible aux incivilités, elle aimait soutenir les opérations de nettoyage réalisées par les jeunes du CMJ et encourager le tri des déchets par la promotion d'un comportement vertueux consommateur. Marie-Odile n'hésitait pas non plus à solliciter nos équipes techniques lorsque, malheureusement, des malotrus avaient jeté des papiers dans le parc du Cabirol qu'elle aimait à parcourir, avaient tagué des murs ou abandonné des restes de pique-nique dans le parc de l'Armurier. C'est dans ce parc, d'ailleurs, que les bancs fontaines, trop longtemps délaissés, ont été rénovés grâce à son investissement et à sa détermination. Oui, Marie-Odile Bertrand ne se satisfaisait pas de peu ni d'à peu près. Elle voyait grand pour l'écologie. Elle tenait à sensibiliser davantage les habitants sur les enjeux d'avenir, mais aussi sur les bonnes pratiques d'aujourd'hui. Vous le savez, Marie-Odile Bertrand a à nos côtés initié et porté le projet de la Maison des Transitions écologiques dès le début de ce mandat. Il composait d'ailleurs sa délégation avec le cadre de vie. Martine Berry-Séven poursuit aujourd'hui ses travaux. De Marie-Odile Bertrand, nous garderons bien sûr le souvenir
d'une élue, mais surtout d'une femme d'une grande gentillesse et altruiste. Sa vision écologiste était profondément sociale, et je me souviens son insistance pour visiter un des premiers ateliers du Ripper Café. Je me souviens aussi de sa présence à nos côtés, à mes côtés, dans les rencontres liées à l'économie sociale et solidaire, à la mijoteuse ou encore au terminus des prétentieux. Très récemment encore, nous avions eu la joie de la retrouver lors de la foire aux plantes. Elle avait assisté à la plantation d'un arbre au parc du Roc parmi des dizaines d'enfants qu'elle a dû observer avec plaisir dans leurs premiers pas de jeunes écologistes, pelle à la main et bottes pleines de terre aux pieds. Avec toute notre reconnaissance pour son engagement en faveur des columérines et des columérins, avec le souvenir ému d'une élue sincère, franche, déterminée, solidement engagée. Je voudrais conclure mon propos avant de donner la parole à Martine Berry-Séven en citant Pablo Neruda, un poète, écrivain, diplomate et homme politique chilien. Être arbre, un arbre ailé, dénuder ses racines dans la terre puissante et les livrer au sol, et quand autour de nous tout sera bien plus vaste, ouvrir en grand nos ailes et nous mettre à voler. Martine. Merci Karine. L'engagement politique de Marie-Odile pour l'écologie était réel et sincère. La politique politicienne n'était pas sa priorité. Aux longues diatribes de certains, elle préférait le combat politique sur le terrain au quotidien. Elle souhaitait voir notre société évoluer avec des valeurs autres que la croissance, aux dépens de l'humain, de l'environnement et du climat. Ce fut pour elle une immense fierté de rejoindre la liste Esprit Colomiers, non par opportunisme comme nous l'avons pu l'entendre un certain temps, mais avec l'envie de saisir une opportunité afin de faire grandir l'écologie dans notre ville. Et pour cela, chère Karine, Marie-Odile t'en fut reconnaissante. La veille de son départ, j'ai échangé avec Mario sur l'après. Elle m'a demandé de ne rien lâcher, de continuer le travail déjà engagé, mais en ayant toujours en tête nos principes de base, savoir faire des compromis, mais jamais de compromissions. Je sais que pour certains, le départ de Marie-Odile laissera un grand vide. Vous lui avez marqué votre attachement sincère par des petits mots, des attentions qui lui ont fait chaud au cœur. La sincérité des sentiments, pour Marie-Odile, était quelque chose d'essentiel. J'ai eu l'immense privilège d'avoir pour collègue, mais surtout pour ami, Mario. Je garde précieusement au fond de moi son sourire, nos échanges, nos fous rires, et tous ces moments partagés vont me permettre d'avancer et de continuer notre engagement. Je vous remercie de vous lever pour respecter une minute de silence. Bien, et c'est donc dans ces circonstances tragiques et malheureuses, suite au décès donc de Marie-Odile Bertrand, qui est intervenue, je vous le rappelle, le 7 mai 2023, que j'ai malgré tout le plaisir de procéder à l'installation d'un nouveau conseiller municipal et que je vous propose d'installer donc dans ses fonctions M. Norbert Monté, puisque c'était le suivant sur la liste, et convoqué donc pour ce conseil municipal après en avoir informé bien sûr la préfecture. Le tableau du conseil municipal a été actualisé. Bienvenue donc, chers collègues, dans cette enceinte et pour le travail qui nous attend encore pour ces prochaines années. Avant de passer à l'ordre du jour, je vais demander à Madame Auguenois donc de procéder à la lecture des délibérés. Donc, décision du maire, l'Assemblée a pris acte de l'information. Approbation du compte de gestion 2022, budget principal, l'Assemblée a pris acte de l'information. Approbation du compte de gestion 2022 sur le restaurant administratif, l'Assemblée a pris acte de l'information. Approbation du compte administratif 2022, budget principal, unanimité. Approbation du compte administratif 2022, restaurant administratif, unanimité.
fixation du taux d'imposition des taxes directes communales pour l'année 2023, majorité. Fixation de la taxe locale sur la publicité extérieure pour l'année 2024, unanimité. Taxes et produits irrécouvrables, créances éteintes, adoptées à l'unanimité. Détermination de la valeur du ticket sport, unanimité. Augmentation de capital de la société Altéal, unanimité. Avenant au traité de concession d'aménagement pour la requalification urbaine du quartier des Fenassiers, unanimité. Adaptation du patrimoine scolaire au changement climatique, unanimité. Approbation de la convention entre la ville de Colomiers et l'AEP OGEC Sainte-Thérèse pour l'application de la participation communale, unanimité. Fixation annuelle du forfait communal pour les élèves de maternelle et élémentaire de l'école Sainte-Thérèse, unanimité. Attribution de subventions aux associations au titre du budget 2023, unanimité. Convention de partenariat relative au don du sang, unanimité. Rapport social unique 2021, l'Assemblée a pris acte de l'information. Précision sur la composition de la formation spécialisée en matière de santé, sécurité et conditions de travail du comité social territorial, unanimité. Contrat d'apprentissage petite enfance, unanimité. Modification du tableau des effectifs, unanimité. Compte rendu d'exécution des petits travaux urgents de 2022 et petits travaux urgents à prévoir en 2023, relevant de la compétence du syndicat départemental d'énergie de la Haute-Garonne, unanimité. Aménagement de l'éclairage public aux abords de la maison des transitions écologiques, unanimité. Remplacement d'un conducteur d'éclairage public hors service au niveau du poste P20 Gers, unanimité. Bourse de mobilité dans le cadre du dispositif des jobs d'été 2023 au Québec avec la ville de Victoriaville, unanimité. Avis de la commune sur la modification numéro 3 du plan local d'urbanisme de Toulouse Métropole, commune de Colomiers, unanimité. ZAC des Ramassiers, acquisition auprès de la société aménagement, terrain et construction des espaces publics des lotissements, la Valériane, domaine des Ramassiers, les Mimosas et les Romarins, unanimité. Merci madame. Donc je vous propose maintenant d'approuver le procès-verbal de la précédente séance du conseil municipal du 13 avril 2023. Est-ce que vous avez des questions ou des observations? S'il n'y en a pas, donc je le mets aux voix. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, je vous remercie. Et donc, nous allons pouvoir maintenant étudier les points qui vous sont soumis à l'ordre du jour de ce conseil municipal en démarrant par les décisions du maire. Est-ce que vous avez des questions? S'il n'y en a pas, je le mets aux voix. Oui, madame. Bonsoir à toutes et à tous. Petite question, oui, concernant le point numéro 9 et l'acquisition de mobilier de restauration d'occasion auprès du restaurant Les Marauds. Et nous souhaiterions savoir à quelle fin a été acquis ce mobilier, s'il vous plaît, si vous avez des précisions à nous donner sur l'utilisation. Et... Bon. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, il s'agit, c'est en lien en fait avec les tiers-lieux columérins, en lien avec la loi AGEC, dont l'article 55 prévoit, qui est donc anti-gaspillage pour une économie circulaire, et qui invite en fait les collectivités à privilégier des achats issus du réemploi ou intégrant des matières premières recyclées, en réduisant, dès que cela est possible, la consommation de plastique à usage unique et réduire la production de déchets. Donc cette loi est entrée en vigueur en janvier 2021 et elle demande aux acheteurs de respecter cette nouvelle disposition en prévoyant des clauses et critères spécifiques dans leur cahier des charges. L'article 58 précise quant à lui que les collectivités territoriales et leurs groupements doivent acheter des biens issus donc du réemploi, de la réutilisation à proportion de 20% minimum. Donc dans l'objectif de doter de mobilier les différents, la galaxie des tiers-lieux de la commune que vous connaissez, la mijoteuse, le terminus des prétentieux, l'agora du Pergé, très prochainement la mémothèque, et la maison des transitions écologiques, nous avons procédé à cet achat afin d'être en conformité avec la loi.
Merci pour votre réponse. Ma question était incomplète. En fait, ce qu'on aurait aimé savoir, c'était la manière dont le choix avait été porté sur le restaurant des Marauds en particulier. Et est-ce qu'il y a une démarche de volontariat ou une possibilité pour d'autres restaurants de s'inscrire dans cette démarche et de bénéficier de rachats de mobilier d'occasion ? Oui, là, il y a le cas échéant, bien évidemment, là, l'occasion s'est présentée puisque ce restaurant, en l'occurrence, a changé son mobilier. Et donc, nous avons saisi cette opportunité pour acheter des biens d'occasion. Vous voulez dire que c'est eux qui sont rentrés en contact avec vous ou vous les avez démarchés ? Alors, moi, personnellement, je n'ai pas cette précision. Oui, c'est pour ça que je pose la question, ça n'est précisé nulle part. Bon, quoi. On peut quand même se poser la question. Mais l'information l'idée, c'est de pouvoir aussi peut-être faire profiter d'autres structures de cette même démarche qui est plus que louable en plus. Hein. Y a pas de, tout à fait. Et l'occasion se présentant, nous n'y manquerons pas. Entendu, merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres observations ? Bien, s'il n'y en a pas, je mets aux voix. Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Je vous remercie. Le chapitre finance avec le budget supplémentaire donc pour 2023, budget supplémentaire du budget principal, et c'est M. Briançon qui nous le présente. Oui, Madame le maire, mes chers collègues, bonsoir. Donc le budget supplémentaire, comme vous le savez, a vocation à reprendre les résultats du compte administratif que nous avons voté et servir de décision modificative sur le budget primitif. Donc il convient tout d'abord donc, de reprendre les sommes suivantes, 254 636 et 52 centimes au titre du résultat reporté de fonctionnement en recettes de fonctionnement, 1 545 693 et 72 centimes de résultat de la section d'investissement repris au compte D001, les restes à réaliser en dépenses d'investissement et en recettes d'investissement respectivement pour 2 457 804 et 80 centimes et 2 847 211 et 80 centimes et 1 156 286 et 83 centimes au titre de la couverture du besoin de financement de la section d'investissement. Donc pourquoi un budget supplémentaire ? Cette année, les risques identifiés sur l'énergie et les ressources humaines dans le cadre du débat d'orientation budgétaire que nous avons eu et lors du vote du budget primitif pour l'année 2023 nous amènent donc à présenter un budget supplémentaire. Les conditions d'équilibre du budget primitif 2023 ont ainsi été posées avec une épargne de 3,3 millions d'euros, en mentionnant qu'au regard des éléments connus à ce stade sur le prix de l'énergie et nos consommations en la matière, de l'absence d'éléments d'annonce du gouvernement à l'époque sur la valeur du point servant de base à la rémunération des fonctionnaires, ce budget était présenté toutes choses égales par ailleurs. Concernant l'endettement, compte tenu de l'encours de dette au 1er janvier 2023, la stratégie financière définie table sur un objectif d'épargne supérieur au-dessus des 4 millions d'euros d'ici la fin du mandat, afin de réduire le recours à l'emprunt, pour que le stock de dette en fin de mandat ne dépasse pas 18 à 20 millions d'euros. Depuis le vote de ce budget primitif 2023, la ville de Colomiers a reçu les factures d'énergie des mois de novembre, décembre et janvier, sur lesquelles les prix ont continué leur progression, malgré les efforts très importants entrepris sur nos consommations, notamment en matière de chauffage, moins 20% projeté sur l'année 2023, ou en matière d'électricité, moins 15% sur la même année, notamment dû aux démarches complémentaires d'extinction du domaine sur l'éclairage public. Le besoin complémentaire au montant inscrit au budget primitif 2023 est de 670 000 euros au chapitre 11. Le deuxième point important, il s'agit de nos ressources humaines. Il a fallu attendre le 11 avril dernier pour que le ministre de la Transformation et de la Fonction publique nous confirme l'ouverture de discussions avec les organisations syndicales de fonctionnaires pour envisager concrètement une évolution de la valeur du point d'indice, comme ce fut le cas déjà précédemment en juillet 2022, afin de tenir compte du niveau d'inflation toujours aussi important et qui a conduit à revaloriser le SMIC au 1er janvier 2023, ainsi que l'indice minimum de traitement des fonctionnaires.
Ce même ministre a annoncé très récemment, donc le 12-6-2023, une revalorisation du point d'indice applicable au 1er juillet 2023 avec une augmentation de 1,5% ainsi que diverses autres mesures en lien avec les grilles indiciaires des catégories B et C et une prime de pouvoir d'achat. Les premiers décrets d'application de ces mesures ont été publiés le 29 juin 2023, c'est-à-dire hier, aujourd'hui. Concernant l'exercice budgétaire de l'année 2023, à ce stade des annonces du ministre et dans l'attente de l'analyse des décrets, une prévision supplémentaire de 800 000 euros est inscrite dans le cadre du budget supplémentaire 2023. Il faut noter qu'une dernière mesure ne sera applicable qu'à compter du 1er janvier 2024. Il s'agira de l'augmentation de 5 points d'indice pour chaque fonctionnaire, soit 25 euros de plus par mois, selon la publication du ministère de la Transformation de la fonction publique, impact qui sera bien évidemment pris en compte lors du budget primitif 2024. Par conséquent, en l'absence d'autres marges de manœuvre sur le budget communal en recettes de fonctionnement que les produits de fiscalité, les tarifs, je vous rappelle que nous avons décidé de geler jusqu'à au moins septembre 2023 les tarifs des services municipaux pour assurer une protection du pouvoir d'achat des usagers. Le Conseil municipal, lors du dernier Conseil municipal du 13 avril 2023, nous avons adopté une évolution du taux de taxe foncière sur les propriétés bâties, le faisant passer de 38,75% à 41,75%. Comme annoncé, lors du vote des taux, il est proposé de prendre en compte cette augmentation qui devrait générer 2,1 millions d'euros de recettes fiscales supplémentaires par rapport au montant inscrit au BP 2023, donc au chapitre 73. Sur le chapitre 74, compte tenu de l'arrêt des comptes 2022, il convient d'actualiser de 250 000 euros la dotation exceptionnelle de compensation des hausses de dépenses d'approvisionnement en énergie, électricité, chauffage urbain et également les achats de produits alimentaires. Le budget supplémentaire ayant également pour vocation d'intégrer la reprise des résultats de l'exercice antérieur, l'excédent de fonctionnement du compte administratif 2022 est repris en recettes de fonctionnement au compte R002 pour un montant de 254 636,52 euros, ce qui fait évoluer le virement à la section d'investissement de 1 080 000 euros et porte ainsi l'équilibre de la section de fonctionnement à 2 604 636,52 euros en dépenses et en recettes. En ce qui concerne la section d'investissement, les écritures comprennent des retraitements comptables formels qui se neutralisent. Autant des virements, c'est des virements interchapitres pour éviter des réimputations pour 689 636,52 euros. La reprise du déficit d'investissement que nous avions constaté au compte administratif 2022 pour un montant de 1 545 693,72 euros. L'inscription des restes à réaliser en dépenses de 2 457 804,81 centimes et en recettes d'investissement de 2 847 211,80 centimes, ce qui entraîne l'inscription du besoin de financement en recettes d'investissement pour 1 156 286,83 centimes. Donc, en prenant en compte l'augmentation de l'autofinancement de 1 080 000 euros, il convient donc de réduire à due concurrence la prévision d'emprunt au chapitre 16, portant ainsi l'équilibre de la section d'investissement à 4 3 498,63 euros. Comme vous le constatez, ce BS 2023 permet donc de sécuriser l'atteinte d'un niveau d'épargne supérieur dans un contexte toujours plus contraint et évolutif, de garantir la tenue des engagements du mandat pour la protection des columérins et des columérines, l'éducation, la transition socio-écologique et également nos autres politiques publiques en fonctionnement, tout comme il permet de modérer le recours prévisionnel à l'emprunt pour le financement des engagements du mandat inscrit à notre plan pluriannuel d'investissement, plus communément appelé le PPI de 2020 à 2026, et ce, afin de faire face aux enjeux posés à notre patrimoine
communal. Et donc, comme d'habitude, il est demandé au conseil municipal d'approuver le budget supplémentaire 2023, d'approuver son vote par chapitre, d'arrêter ce budget supplémentaire aux sommes qui sont indiquées sur le document et de donner mandat à Madame le maire afin de prendre toutes mesures nécessaires à la bonne mise en œuvre de la présente délibération. Merci beaucoup, mes chers collègues. Merci, Monsieur Briançon. Donc, on vous a remis sur table une délibération ajustée pour tenir compte des éléments nouveaux qui sont intervenus dans l'intervalle de l'écriture et de la préparation de ce BS et du conseil municipal pour être au plus près des informations que nous avions. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? S'il n'y en a pas, donc je mets aux voix ce BS. Qui ne prend pas part au vote? Qui s'abstient? Qui vote contre? Je vous remercie. Et nous passons donc au chapitre suivant. Le développement associatif. Pardon. Je pensais avoir sauté un chapitre. Alors, donc, très classiquement, on va démarrer par les subventions aux associations culturelles. Madame Vauchère. Oui, alors, quatre subventions au titre des associations culturelles. L'association Spectambule, 13 000 euros. Le club loisirs Léo Lagrange, 60 000 euros. Le comité des fêtes, 30 000 euros. Et enfin, les enfants du paradis, 40 000 euros. Des subventions qui sont stables. Sur le chapitre des associations à vocation culturelle, est-ce que vous avez des questions ou des observations? Il n'y en a pas, donc on va poursuivre avec les subventions aux associations sportives. Monsieur Briançon. Oui, et comme chaque année, nous allons examiner ce que moi je dis communément les grosses subventions, donc la plupart des clubs qui ont des équipes professionnelles ou semi-professionnelles. Donc l'association Colomiers Rugby, 561 000. La SASP Colomiers Rugby, 260 000 euros. L'association US Colomiers Basket, 300 000 euros. Et l'association USC Foot, 380 000 euros, et je vais y revenir. L'association Canoë et Kayak, 500 000. Vous aurez non, 500. 500 euros, pardon. Ils vont être contents, hein. Pardon. J'étais déjà projeté sur... Pardon, ça fait un gros changement, gars. Je ne sais pas ce qu'ils en feraient, d'ailleurs. Ils vont nous demander... Non, 500 euros. C'est pas voté, 500 euros, pardon. Il y a des présidents qui vont être contents. Je voudrais revenir sur la subvention de l'US Colomiers Football, parce que comme vous avez dû le constater, elle baisse de 60 000 euros par rapport à l'an dernier. Alors, à savoir que l'équipe professionnelle, quoi, professionnelle ou semi-pro, est descendue en plusieurs années de National à National 2 et à National 3 l'an dernier. Nous avions passé un contrat qu'on peut appeler de morale avec eux en disant que nous maintenions la subvention l'an dernier pour essayer de remonter en National 2. Ça n'a malheureusement pas été le cas. Et au vu de la division à laquelle ils jouent, des effectifs stables de cette association, après discussion avec eux, nous avons pris la décision de baisser la subvention de 60 000 euros. Merci beaucoup pour ces explications. Est-ce que vous avez des questions ou des observations? Oui, monsieur Lamy. Bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, merci d'avoir abordé cette question parce que nous allions arriver dessus. Est-ce que ça a tenu compte aussi de la possible montée en D3 de l'équipe féminine? Parce que passer de R1 avec des déplacements régionaux à un niveau national avec des déplacements beaucoup plus longs, et en fait, c'est une montée en grade. Tout simplement d'une équipe féminine. Est-ce que ça a été pris en compte dans cette délibération ou pas du tout? Déjà, ce n'était pas prévu, sportivement. Alors, déjà, ça ne vous a pas échappé? Déjà, à ce stade, je mentirais si je vous dirais oui, puisqu'on l'a appris il y a 3 ou 4 jours. Donc, je ne peux pas vous dire qu'on en a tenu compte. Il y aura des discussions avec le club. À ce stade-là, moi, je ne sais pas dire si le budget tel qu'il est permettra de faire la R1 ou la R3. À savoir que le budget s'adapte pour le foot d'année en année. On peut refaire un récapitulatif depuis 2018. Le budget s'est adapté constamment depuis ces temps-là.
On verra en fonction de comment ça se passe et quelles sont les difficultés qu'ils ont, en fonction de quels sont les besoins, s'il est nécessaire d'adapter l'an prochain ou le budget ou pas. En attendant, pour l'instant, la décision était tellement proche qu'on n'a pas pu forcément réagir par rapport à ça et adapter le budget. Ça demande une analyse plus poussée que juste dire il passe de R1 à R3 parce que on ne connaît pas encore la poule, on ne sait pas où ils vont aller, ils pourraient très bien peut-être rester Enfin, quoi qu'il en soit, pour l'instant, moi ce que je relève, c'est que les autres équipes qui ont été rattrapées suite au désistement donc, de ceux qui devaient monter sportivement, il y en a eu deux avant nous, le font aussi pour des questions financières. Donc j'imagine, bien entendu, que le président, connaissance de la subvention négociée en fonction de ses besoins avec la ville, et on se rend compte aussi que, et la preuve en est que toutes les villes ne peuvent pas non plus toujours accompagner, d'autant que sportivement, il n'y avait pas de montée prévue. Donc j'imagine qu'en acceptant cette montée en Détroit, le président a tenu compte de l'ensemble de ses paramètres. Voilà. On poursuit avec les associations Démocratie locale et solidarité. Monsieur Simion. Oui, Madame la maire, chers collègues, bonsoir. Une grande stabilité pour 8 associations liées aux solidarités et une concernant le devoir de mémoire. Ah, vous le faites après, d'accord, ok. Donc, non, pas du tout. Ah, pardon. Non, je pensais que vous disiez... Excusez-moi, je vous prie m'excuser. Alors, Colomiers Chômage et Soutien, 1 000 euros. Cité en jeu, 5 000 euros. Les Petits Frères des Pauvres, 1 850 euros. Le Secours Catholique, 9 500. Le Secours Populaire, à 73 000. Le Point Rencontre Chômeurs et Précaires de Colomiers, 20 000 euros. Le Centre de Ressources sur la Non-Violence de Midi-Pyrénées, 1 000 euros. Les Chats Libres de Colomiers, 2 000 euros. Et donc, l'association amicale Colomiers et des Anciens Commandants, la CAC, 1 200 euros. Merci. Est-ce que vous avez des questions ou des observations sur certaines de ces subventions? Bien. S'il n'y en a pas, donc on poursuit avec les associations liées à l'économie sociale et solidaire. Monsieur Aïtali. Oui, donc c'est Chrysalide, comme souvent sur les conseils municipaux. On propose Chrysalide qui vise à accompagner des porteurs de projets dans l'économie sociale et solidaire. Ça leur permet d'avoir aussi des aides de professionnels qui viennent, des experts qui viennent les accompagner. C'est pour ça qu'on demande... qu'on propose 3 000 euros pour l'association. Merci. Est-ce que vous avez des questions? On poursuit avec l'association à vocation économique, c'est Madame Casalis. Oui, bonsoir tout le monde. Donc, reconduction de la subvention pour le club d'entreprise qu'on ne présente plus et ses nombreuses actions, donc à hauteur de 5 000 euros. Et enfin, qui nous présente, c'est Monsieur Corby, donc il n'est pas là. On va demander à Madame Vauchère de nous présenter l'association France Victimes. Oui, alors pour l'association France Victimes 31, un montant de 5 000 euros. Merci. Est-ce que vous avez des questions ou des observations? Donc s'il n'y en a pas... je fais voter par bloc pour les associations culturelles. Est-ce qu'il y a des déports, c'est-à-dire certaines ou certains d'entre vous qui seraient dans les conseils d'administration de ces associations? Donc il n'y a pas de déport. Je mets aux voix en bloc, sauf si vous me demandez un vote disjoint. Pas de demande de vote disjoint. Donc qui ne participe pas au vote, qui s'abstient, qui vote contre, c'est adopté à l'unanimité. Pour les subventions aux associations sportives, est-ce qu'il y a des déports? Oui. Monsieur Aïtali, pour le foot. En tant qu'entraîneur de l'équipe qui monte en Détroit et qui a fait discuter, je ne vais pas prendre part au vote. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de vote disjoint ou de déport? Il n'y en a pas. Je mets donc aux voix en bloc qui ne participent pas au vote. On a noté le déport de Monsieur Aïtali. Qui s'abstient, qui vote contre, c'est adopté à l'unanimité. Pour les associations démocratie locale et solidarité, même chose, pas de déport, pas de demande de vote disjoint,
qui ne participe pas au vote, qui s'abstient, qui vote contre. C'est adopté à l'unanimité pour l'association Devoir de mémoire, pas de déport, pas de demande de vote disjoint, mais il n'y en a qu'une. Qui ne participe pas, qui s'abstient, qui vote contre, je vous remercie. Association Économie sociale et solidaire, Association Chrysalide, vous êtes dans le conseil d'administration. Donc vous êtes déporté également. Qui ne participe pas au vote, qui s'abstient, qui vote contre, je vous remercie. Pour l'association Club d'entreprise de l'Ouest toulousain, qui ne participe pas, qui s'abstient, qui vote contre, c'est adopté à l'unanimité. Pour l'association France Victime, qui ne participe pas, qui s'abstient, qui vote contre, c'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Sur le chapitre ressources humaines, donc nous avons plusieurs délibérations qui, pour la plupart, sont des délibérations techniques et habituelles à cette période de l'année. Et on commence donc par les recrutements d'agents contractuels pour des emplois saisonniers. Donc nous maintenons, vous le savez, le dispositif d'accueil de jeunes columérines ou columérins pour les accueillir dans nos services au titre d'emploi saisonnier pour la période donc qui s'étire de juin à, on va dire, fin août, mi-septembre. Et donc on ouvre évidemment les postes et ces jeunes viennent s'insérer dans les services municipaux pour renforcer les équipes alors que nombre d'agents municipaux prennent eux-mêmes leur congé. Donc nous vous proposons d'approuver donc le recrutement de ces agents contractuels pour des emplois saisonniers selon le tableau qui vous est proposé. Est-ce que vous avez des questions ou des observations? Oui, monsieur Lamy. Hop. On avait une question sur la délibération. On note la création de 60 postes et il me semble avoir lu qu'il y avait 150 jeunes. Donc est-ce que c'était les jeunes peuvent se répartir sur le même poste? En fait, c'était ça. Je me suis dit, comment expliquer cet écart? Alors, en effet, on compte 150 jeunes au total. 60 jeunes sont recrutés pour pallier sur des emplois saisonniers l'absence finalement d'agents qui sont en vacances sur les postes, et ce sont des postes ouverts. Donc, vous le voyez, aménagement du territoire, conservatoire, pôle éducation, loisirs éducatifs, état civil, cimetière, pavillon blanc, ressources humaines, etc., etc. Là, nous avons 60 postes. Les critères, c'est bien sûr avoir 18 ans, puisque dans la fonction publique, il faut avoir 18 ans pour travailler. Être, bien sûr, habitante ou habitant de Colomiers. Ne pas avoir déjà travaillé dans les services municipaux plus de 2 années, ça permet aussi d'assurer un certain renouvellement. Et ce sont des postes que nous proposons pour des périodes de 15 jours, sauf pour quelques postes de façon ciblée qui n'ont pas de sens sur 15 jours et qui vont pouvoir rester plutôt 3 semaines ou 1 mois, mais il y en a peu. Et ensuite, donc, nous avons besoin, mais c'est un autre cadre contractuel, ce sont des vacataires qui interviennent sur contrat et pas sur des emplois de la fonction publique nécessitant d'ouvrir des postes. Donc ce sont des vacataires, 90, qui vont intervenir sur le centre de loisirs pendant les périodes de juillet et août. Et là, c'est pareil. Donc au vu du nombre d'enfants, il y a un besoin d'environ 90 personnes. Certains vont venir pour 15 jours, d'autres pour 3 semaines, et vont bien sûr encadrer les enfants selon leur niveau de formation. Et là, vous avez toute la palette finalement de possibilités des titulaires du BAFA, des BAFA en stage pratique, des BAFD, ou encore des jeunes qui sont animatrices ou animateurs sans forcément d'autres qualifications et qui, pour certaines d'ailleurs, travaillent aussi dans les ALAE pendant l'année. Mais il faut aussi qu'ils se reposent, donc ça permet d'avoir un turnover et une possibilité donc d'emploi. C'est comme ça qu'on arrive à 150. Mais on n'est pas sur la même filière de recrutement administratif. C'est pour ça que vous n'avez pas de délibération. Voilà.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ou observations? Il n'y en a pas. Je mets donc aux voix. Qui s'abstient? Qui vote contre? Je vous remercie. Ensuite, donc, on va passer toutes les délibérations techniques et classiques, les recrutements d'agents contractuels pour accroissement temporaire d'activité, ça permet d'ouvrir des postes en cas d'accroissement temporaire d'activité. Est-ce qu'il y a des questions ou des observations? Je mets aux voix. Qui s'abstient? Qui vote contre? C'est adopté. Recrutement d'agents contractuels pour remplacer les agents momentanément absents. S'il n'y a pas de questions, je mets aux voix. Qui s'abstient? Qui vote contre? C'est adopté. Délibération 7, recrutement d'agents contractuels pour donc, les ALAE, les centres de loisirs associés au collège CLAC, le conseil municipal des jeunes et des enfants, le CLAS également pour l'année scolaire 2023-2024. Et là, c'est pareil, hein, vous avez tout le détail donc, de nos besoins pour ces périodes-là. S'il n'y a pas de questions ou d'observations, je mets aux voix. Qui s'abstient? Qui vote contre? Je vous remercie. Ensuite, pour les vacances scolaires, donc pour l'année 2023-2024, pour toutes les périodes qui sont indiquées, Toussaint, Noël, février et les vacances d'avril, donc une délibération donc, qui nous permet le recrutement d'agents contractuels. Qui s'abstient? Qui vote contre? Je vous remercie. Ensuite, vous avez la modification du tableau des effectifs. Là aussi, c'est une délibération classique. Tous ces éléments ont été approuvés par le CST qui s'est tenu en début de semaine. Ce sont pour la plupart, même la totalité, des réorganisations à l'intérieur des services sur des modifications de postes, d'agents qui partent, qui effectuent aussi des mobilités internes, donc des réorganisations aussi au conservatoire à rayonnement communal, au pôle d'état civil cimetière élection, avec des gros besoins également hein, pour les pièces d'identité actuellement, au pôle espace public, également au pôle finance, au laboratoire d'innovation municipale, au pôle des festivités, patrimoine bâti, accessibilité, mécanique et transport, pavillon blanc Henri Molina, pôle petite enfance, ressources humaines et le pôle éducation, loisirs éducatifs et affaires scolaires. Voilà, donc globalement c'est à effectif stable et constant, mais ça retrace les modifications d'organisation interne. Est-ce que vous avez des questions ou des observations? S'il n'y en a pas, je mets aux voix. Qui s'abstient? 3 abstentions. Qui vote contre? Je vous remercie. La délibération suivante concerne l'instauration d'une IFSE régie. Alors c'est un point assez technique, vous le comprenez. Lorsque nous avons mis en place le RIFSEP, il n'y avait pas encore cette possibilité d'IFSE pour la régie, c'est-à-dire les agents qui sont responsables de la régie. C'est donc possible aujourd'hui et suite donc à l'avis favorable du CST donc, qui s'est tenu le 26 juin, nous vous proposons d'instituer donc une IFSE régie dans le cadre donc du RIFSEP selon le tableau réglementaire qui est annexé à la délib. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Madame Zagdoudi. Bonsoir. Combien de personnes seraient concernées par cette IFSE en termes de... Une quinzaine environ. Une quinzaine. Voilà, ce sont toutes les régies municipales. Je mets aux voix. Qui s'abstient? Qui vote contre? Je vous remercie. La délibération suivante vous demande de nous octroyer à monsieur le premier adjoint et à moi-même un mandat spécial pour nous permettre donc de nous rendre, comme chaque année, au 105e congrès des maires et des présidents d'intercommunalité de France qui se tiendra cette année à Paris du 21 au 23 novembre pour prendre en charge les frais y afférents. Et je réponds par avance donc à la question qui a déjà été posée l'année dernière. Et après une expérience, ma foi, réussie, nous ferons le trajet en train. Mais l'avion, c'est bien aussi.
Mais l'avion, c'est bien aussi. Mais finalement, là, pour le coup, on se rend compte qu'on met à peu près le même temps et que c'est très agréable. Je mets aux voix qui s'abstient. Oui. Madame le maire, chers collègues, juste une petite question. Nous allons valider effectivement cette participation qui vous est due pour ce voyage donc sur la région parisienne, mais au vu des contraintes budgétaires que nous avons et qui sont importantes, puisqu'on l'a relevé en début de séance d'ailleurs, nous souhaiterions connaître, pour une meilleure transparence en fait par rapport au dossier que vous nous présentez, la somme qui vous a été louée en 2022 et la somme que peut-être qu'on va avoir, que vous allez avoir du moins cette année, voilà. Tout simplement. Merci. Il n'y a aucun problème, monsieur Vasquez. Alors, vous savez, je suis peu dépensière, moi. Je suis assez économe. Donc, je prends le train, je suis logée à l'hôtel comme tous les collègues et je ne mange pas beaucoup. Voilà. Parce que, je ne vais pas au restaurant, tout ça, machin. Donc, en principe, avec les 17 euros qu'on m'alloue, je crois que c'est ça par repas. C'est à peu près ça. J'arrive à me débrouiller. Voilà. Moi, un peu moins. Et alors, ce qui est sympa en plus... Je rajoute. Voilà, après ce qui est sympa au congrès des maires, c'est qu'il y a toujours des pommes, des fruits, voilà. Bon, c'est un congrès, mis à part la plaisanterie, mais il n'y a aucun souci, je vous donnerai le relevé exhaustif des frais hein, qui sont imputés sur ce chapitre-là. Je pense que c'est important d'y être présent. C'est vrai que ça constitue un coût, c'est vrai qu'on pourrait se poser la question sur de nombreux sujets. Est-ce qu'on doit y aller? Est-ce que l'économie... est significative au point de ne pas y aller. Moi, je pense que non, parce que ce congrès des maires, c'est l'occasion déjà d'avoir un contact direct avec toutes les associations d'élus, d'écouter les élus qui viennent au congrès des maires, le président de la République, souvent le ou la premier ou première ministre, de voter aussi, hein, puisque... On est inscrit à l'Association des maires de France, également de prendre des contacts, puisqu'il y a de nombreux ateliers, ça fait un peu office de formation, moi je ne fais pas de formation du tout dans l'année, de participer à des ateliers et de mesurer aussi auprès des autres collègues quelle est la situation finalement des communes de France. C'est très très intéressant et ça permet aussi parfois de faire avancer quelques dossiers. Et de passer des messages. Je me rappelle notamment de mon intervention l'année dernière lors de l'atelier sur le logement et l'habitat avec le ministre Olivier Klein, que je connais bien par ailleurs. Intervention également lors des ateliers sur la loi climat et résilience et les zéro artificialisation nette, qui était quand même un atelier très musclé. Bref, voilà, ça permet d'échanger aussi entre collègues et c'est jamais inintéressant. Et je vous en rends compte, bien sûr, régulièrement. Voilà, mais on vous fera passer la liste exhaustive des dépenses qui doivent être d'ailleurs dans le détail des bouquins, mais bon, on vous l'extraira. Il n'y a pas de souci. Vous l'avez voté néanmoins. On l'a voté, mesdames, ça a été voté. Non, pas encore. Peut-être maintenant. Ah, alors maintenant, allez. Alors, monsieur Vasquez, compte sur vous. Hein. Qui ne participe pas au vote, qui s'abstient, c'est parfait, je vous remercie beaucoup, monsieur Simion également. Et nous vous rendrons compte strictement. Ensuite, donc, la délibération suivante, la délibération 12, changement de référent de la régie des transports. Alors, vous savez qu'on a une petite régie des transports, puisque nous assurons au sein de la ville de Colomiers le transport, notamment des enfants, depuis les écoles, vers nos différents équipements culturels, sportifs, de loisirs, et ça suppose d'avoir créé une petite régie des transports et de désigner donc un responsable de cette régie. Et donc ce sera M. Franck Rebello, responsable du service transport mécanique, que nous vous proposons comme responsable de la régie des transports. S'il n'y a pas de questions, je mets aux voix qui s'abstient, qui vote contre, c'est adopté. On revient sur le sport, M. Briançon. Et on prépare la Coupe du monde de rugby.
Oui, Madame le maire, mes chers collègues, comme vous le savez, la Coupe du monde de rugby va avoir lieu en France du 8 septembre au 22 octobre 2023 avec 5 matchs qui vont se dérouler au Stadium de Toulouse avec une équipe résidente au stade toulousain qui est le Japon. Et donc les autres équipes qui viendront jouer ont besoin le temps de leur match, 2-3 jours avant ou 4 jours avant, d'avoir un terrain et un stade pour s'entraîner. Alors dans la région toulousaine, il n'y a pas, 40 000 sites pour les accueillir. Il n'y a pas beaucoup de stades qui ont la technicité et la capacité de les accueillir. Et donc ce sera Blagnac et Colomiers qui les accueilleront puisque nous nous sommes portés candidats. Et que 3 équipes ont retenu nos sites, notre site, donc de Michel Mendichou, la Namibie, le Portugal et les Fidji. Ces équipes pourront donc bénéficier du terrain d'honneur de Michel Mendichou et de l'espace musculation du site pour s'entraîner. Et il était également demandé dans les exigences, je vais le dire comme ça, de World Rugby, qu'il y ait un gymnase et un espace aquatique. Nous ne serons pas en mesure de proposer l'espace nautique puisqu'il y aura des travaux à cette période. Et donc, ils iront sur une piscine toulousaine qui est la piscine Jean Boiteux. Donc, l'ensemble des frais inhérents à cette séquence est réparti entre la ville de Colomiers, Toulouse Métropole et France 2023. Les dépenses qui ont été identifiées à la charge de la ville sont le clim marketing. Pour des questions de marketing, il faut cacher les publicités habituelles du stade. La mise en œuvre éventuelle d'un huis clos autour du terrain d'entraînement quand il y aura les équipes. Et la mise à disposition d'un espace de renforcement musculaire, c'est la salle de musculation du stade Michel Mendichou. Donc la somme maximale qui reviendra à la ville sera de 30 000 euros. Toulouse Métropole prendra en charge la sécurisation des équipements, les abords et France 2023, un certain nombre de choses supplémentaires, l'achat de matériel s'il y a besoin, etc. Voilà, donc ça a été un processus qui a été long. Puisque les exigences de World Rugby étaient beaucoup plus importantes, il a fallu batailler. Et à ce titre, Madame le maire, si vous me le permettrez, je voudrais sincèrement remercier publiquement mon collègue Benjamin Rioux, qui, par ses connaissances rugbystiques, a fait office d'intermédiaire avec World Rugby et notamment Cédric Cole, qui est un ancien Columéret qui est responsable des bases de rugby sur la région. Guillaume Caz, le responsable du pôle sport, et notre DGS Fabrice Coste. Si je faisais José une métaphore, je dirais qu'ils ont fait une belle première ligne pour défendre nos intérêts contre les exigences de World Rugby. Et je les en remercie sincèrement parce que cette affaire n'était pas gagnée au départ, vu les exigences budgétaires de World Rugby. Donc on va avoir une belle... Alors évidemment qu'on va négocier de pouvoir... Alors c'est à la discrétion des équipes, mais je pense que certaines le feront. On va négocier de faire des entraînements ouverts au public, d'essayer d'avoir des joueurs qui vont dans, pourquoi pas, les maisons citoyennes, ou ouvrir à l'école de rugby pour faire des signatures. Un certain nombre de séquences qui vont permettre aux Columérins de pouvoir participer un peu plus à cette fête qui sera les prémices des Jeux Olympiques. Voilà, et on y reviendra sûrement pour les Jeux Olympiques un peu plus tard. Bon, ça me permet bien sûr d'annoncer, mais tout le monde l'a vu, que la flamme olympique traversera Colomiers le 17 mai 2024 et donc... En effet, entre la Coupe du monde de rugby fin 2023 et les Jeux olympiques en 2024 avec la flamme olympique, puisqu'on avait déjà quand même eu le label Terre de Jeux, voilà, on va vivre au rythme du sport à Colomiers avec ces belles manifestations sportives. Oui, ça a été assez difficile. Cette négociation, et il a fallu notamment caper le montant que la ville pouvait allouer parce que c'était parti sur des montants beaucoup plus importants. Bon, finalement, on y arrive. Ce sera une fête, bien sûr, métropolitaine aussi, et on sera amené à en reparler, bien entendu. Donc, c'est sur ces bases que je mets cette délibération aux voix, sauf si vous avez des questions, des observations. Il n'y en a pas, je mets aux voix, qui s'abstient, qui vote contre. Je vous remercie. On continue
avec une délibération classique et annuelle. Monsieur Briançon. Oui, comme chaque année à même époque, il convient de renouveler la convention avec la SASP Rugby Pro pour qui définit les conditions d'utilisation des installations du stade Michel Bendichou, mais également du complexe André Roux et de l'espace réceptif qui est la propriété du club. Donc la redevance a légèrement augmenté, en fait on l'a arrondi cette année, elle est de 27 757,69 depuis 2021, puisqu'en 2020, suite au Covid, on n'avait pas fait payer la redevance suite aux demandes de la ministre des Sports, et Madame le maire avait accepté que ce ne soit pas le cas, et donc elle sera de 26 000 euros. Merci. S'il n'y a pas de questions, je mets aux voix. Qui s'abstient? Qui vote contre? Je vous remercie. On arrive au chapitre culture. Madame Vaucher, pour le rapport annuel de la DSP relative à la gestion du cinéma. Oui, que j'ai le plaisir de vous présenter. Alors, je vais vous livrer les éléments saillants. D'abord, des éléments de contexte. On oublie vite, mais l'année 2022 a été compliquée pour la culture et pour le cinéma, dans un contexte sanitaire qui a été encore fragile, puisqu'il a été marqué le premier trimestre toujours par la crise Covid. Pour mémoire, les restrictions sanitaires n'ont été levées que le 14 mars. Et puis derrière, la crise ukrainienne. Donc à titre indicatif, la dernière année avant Covid, en 2019, le cinéma en France, c'était 213 millions d'entrées. Et en 2022, c'était 152 millions. Donc dans ce contexte, le cinéma, le Grand Central, a plutôt bien tiré son épingle du jeu, puisqu'on a eu près de 140 000 entrées en 2022. Le petit central, c'était 50 000 entrées. Néanmoins, l'objectif étant fixé à 200 000 entrées, nous avons versé une subvention d'équilibre à hauteur de 90 000 euros. Mais la bonne nouvelle, c'est que d'ores et déjà, nous sommes à plus 40% de fréquentation, ce qui nous laisse fortement espérer que dès la deuxième année, nous atteindrons l'objectif des 200 000 entrées fixées dans la DSP. Alors, je vous donne quelques chiffres quand même. Je n'y résiste pas. Donc, le cinéma Grand Central, c'est 8456 séances en 2022, soit 32 séances par jour, 438 films programmés, dont 104 avant-premières et 162 sorties nationales. Donc, ça en fait à peu près une par semaine, une sortie nationale ou une avant-première, avec une offre riche et variée où cohabitent des films indépendants, puisqu'on a le label ARSC, et c'est 23% de la programmation, mais aussi des blockbusters, des films populaires, avec autant de films français que de films américains, et 12% des séances en VO. Motif de satisfaction, c'est la tarification, puisque le prix moyen du billet est à 5,68 euros contre 7,04 euros pour la moyenne nationale, qui est une moyenne qui ne prend pas forcément en compte le fait qu'il y a beaucoup plus de tarifs élevés, de grands complexes. Donc on est vraiment dans des tarifs très très intéressants et l'objectif d'égalité des services publics et d'accès à la culture est largement atteint. À Colomiers, on peut se faire une toile en famille pour 20 euros. Ce qui est loin d'être le cas dans la plupart des communes. 10% des entrées concernent les scolaires, soit 230 séances, ce qui fait quasiment une classe par jour qui fréquente le cinéma, de la maternelle au lycée. Il y a 12 salariés dans ce cinéma, toujours je vous énumère des chiffres, et vous avez eu 5000 programmes qui ont été édités et un site internet qui va faire peau neuve. Voilà pour les chiffres. Sinon, le Grand Central, c'est un lieu de vie et de culture, comme je vous disais, avec une programmation variée, mais de nombreux dispositifs qui existaient au Petit Central qui ont été reconduits, donc notamment le cinéma Différence qui est devenu le ciné relax, les ciné rencontres, les ciné goûtés. Le Grand Central participe également à de nombreux festivals et manifestations nationales, retransmet les opéras, les ballets, les concerts. Ils ont également leur propre université populaire Unipop, leur propre festival manga, et ils sont un partenaire précieux de l'animation culturelle de la ville. Ils ont participé au festival BD, Press Play à l'université populaire,
nouer des partenariats avec le conservatoire, avec des associations aussi comme Spectambule ou la Breaking School. Voilà, et dernier élément d'information, la restauration qui a un peu peiné à trouver ses marques, mais c'est en train de se lancer dernièrement avec par exemple les brunchs du dimanche qui fonctionnent très bien. Voilà, en conclusion, 2022, comme je vous disais, ça a été une année compliquée au niveau national pour le cinéma. Et dans ce contexte, le Grand Central a assuré l'essentiel, c'est-à-dire consolider la fréquentation historique et entamer la reconquête du grand public. Et comme je vous disais, l'année 2023 s'annonce plus sereine. C'est déjà le cas. Il y a d'autres films qui sont très attendus. Et puis, comme je vous disais, une grande satisfaction quant à l'animation culturelle de la ville. Et une dernière joie, vous l'avez dû le voir, le cinéma a été classé comme le 10e cinéma le plus beau du monde, selon un classement d'IDEAT, un magazine dédié à l'architecture. Donc, il est beau, il nous fait une belle programmation. Voilà, je suis fan. Parfait, l'écolumérine et l'écolumérin aussi, manifestement. Est-ce que vous avez des questions ou des observations ? Il n'y en a pas, donc je mets aux voix. Après, c'est un rapport annuel, donc on prend acte du rapport qui nous est présenté. Qui s'abstient, qui vote contre, je vous remercie. Une convention entre le Conservatoire et le Collège Voltaire pour les ateliers de musique actuelle. Oui, Madame le maire, alors c'est une reconduction annuelle puisque ce partenariat entre le Conservatoire et le Collège Voltaire existe depuis 2016. En quelques mots, le conservatoire met à disposition un enseignant à hauteur de 2 ateliers de 2 heures par semaine afin de mener un projet en collaboration avec le professeur d'éducation musicale qui lui-même dirige la chorale du collège. Cet atelier est destiné à faire découvrir et pratiquer les musiques actuelles sur instruments à des collégiennes et des collégiens tout au long de l'année scolaire. Et dans la mesure du possible, durant toute leur scolarité. J'en profite. Une petite minute, juste pour vous dire que le conservatoire, on n'en parle pas souvent, mais dans le cadre de l'éducation artistique et culturelle, ce n'est pas que Voltaire, c'est aussi des interventions en crèche. 4 crèches l'année dernière, donc 162 bébés qui ont été initiés à la musique. Le DAM, on en a parlé déjà dans ce conseil, le dispositif à horaires aménagés à Jules Ferry, c'est 60 élèves de l'école primaire, et aussi Danse à l'école, c'est 250 élèves des écoles maternelles et élémentaires de la commune, avec les effets positifs de la musique que vous connaissez. Je tenais à vous en faire part. Et c'est vrai que durant la fête de la musique, le conservatoire a fait cette démarche d'aller vers en allant dans les crèches et dans les EHPAD à mener la musique. Et donc je vous demande d'habiliter Madame le maire à re-signer cette convention entre le collège et le conservatoire. Merci. Est-ce que vous avez des questions ou des observations ? Je mets aux voix. Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Eh bien, vous avez satisfaction, chers collègues. On passe donc au chapitre jeunesse et éducation. C'est Madame Clouscar qui nous parle donc d'un dispositif de portage financier dans le cadre du Erasmus+. Oui. Oui, Madame le maire. Bonsoir, chers collègues. Donc, suite à la signature de la convention entre la ville de Colomiers et l'agence Erasmus+, le 9 janvier dernier, la présente délibération fixe les modalités financières relatives aux différents frais engagés pour le projet. Donc, la signature des 3 types de contrats financiers avec les participants, le tableau prévisionnel des dépenses et les modalités de remboursement des frais engagés. Pour rappel, par délibération numéro 2023-DB0015, en date du 9 février 2023, le conseil municipal a approuvé le projet linguistique de l'école élémentaire Simone Veil et en conséquence a demandé l'accréditation Erasmus+, afin de recevoir des aides financières de l'Union européenne pour mener à bien ce projet. Après instruction du dossier, l'école Simone Veil a obtenu une accréditation pour la période allant du 1er mars 2022 au 31 décembre 2027 et a reçu une subvention de l'agence nationale Erasmus+, d'un montant de 30 240 euros pour appel à projet 2023. 80% de cette somme, soit 24 192 euros, a déjà été versée sur les comptes de la ville. Et ainsi pourront participer au séjour prévu 2 agents de la ville et 8 enseignants. Ce qui permettra d'accompagner, bien sûr, les enseignements de cette école qui permet avec une section internationale britannique.
Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions ou des observations sur ce dispositif? Il n'y en a pas. Je mets aux voix. Qui s'abstient? Qui vote contre? Je vous remercie. Et on poursuit avec le versement d'un forfait communal. Oui, une délibération qui était aussi présente l'année dernière concernant l'école de la Calandreta de Bocona de Léguevin, sous contrat avec l'État depuis le mois d'août 2020, qui est une école qui propose un enseignement en langue occitane par immersion de la maternelle au CM2. Un élève domicilié sur la ville de Colomiers est inscrit pour l'année scolaire 2022-2023 et à ce titre, l'école Calandreta de Bocona sollicite une participation communale. Vous le savez, depuis la loi du 21 mai 2021, les communes sont dans l'obligation de participer à la scolarisation des enfants dans les établissements qui proposent un enseignement de langue régionale quand il n'y a pas d'établissement sur la commune qui propose ce type d'enseignement. De ce fait, la ville de Colomiers va participer à la scolarisation de cet élève au coût moyen par élève constaté dans les écoles publiques élémentaires de la ville de Colomiers, donc pour un montant de 732,17 €. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions ou des observations? Il n'y en a pas. Je mets donc aux voix. Qui s'abstient? Qui vote contre? C'est adopté. Et enfin, Monsieur Simion, un parrainage. Oui, nous avons l'habitude de parrainer le concours d'un des meilleurs apprentis de France, et en l'occurrence de parrainer surtout les Colomérines et les Colomérins qui s'y présentent. Alors, deux candidats cette année. Alors, ce n'est pas Monsieur Ngamba Moko, c'est Madame, puisque ça s'appelle Claude. Je sais de quoi je parle, puisque ma mère s'appelle Claude, et quelquefois il y a des confusions. Donc c'est Madame Ngamba Amoko et Monsieur Léonard Thom. Et je suis heureux de vous informer, chers collègues, que Mademoiselle Ngamba Claude a obtenu une médaille d'argent départementale dans la spécialité pressing, ainsi qu'une médaille régionale d'argent. Et Thom Léonard, du lycée Airbus, a reçu la médaille d'argent départementale dans la spécialité technicienne d'usinage, et donc un parrainage de 50 € pour ces deux candidats, Madame le maire. Parfait, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions ou des observations? S'il n'y en a pas, je mets aux voix. Qui s'abstient? Qui vote contre? Je vous remercie, c'est adopté à l'unanimité. Alors, le chapitre suivant concerne le rapport annuel de la DSP relative à la gestion de la fourrière automobile qui aurait dû être présenté par notre collègue Christophe Corby, qui manifestement est retenu pour des raisons professionnelles et ne nous rejoint toujours pas. Ce rapport annuel a été présenté à la commission dédiée cette semaine, oui, je pense, cette semaine. Donc c'est un rapport qui, comme chaque année, retrace les données, bien sûr, comptables, certifiées par un commissaire aux comptes, mais également une analyse qualitative et quantitative du service avec le... Vous avez les éléments avec le nombre de véhicules enlevés, restitués, expertisés, détruits, etc. Bon, on voit en effet que depuis la décision que nous avions prise de doubler la capacité donc de la fourrière et avec ce délégataire, les choses en effet se sont améliorées de ce point de vue-là. Voilà, donc si vous aviez des questions plus précises que vous n'aviez pas pu poser en commission, bien sûr je renverrai à une réponse écrite, puisque notre collègue s'est absenté, mais peut-être quelqu'un pourra me suppléer. Est-ce que vous avez des questions ou des observations? Je mets donc aux voix, on prend acte hein, du rapport annuel. C'est tout ce qu'on fait ce soir. Il a donc été présenté. Qui s'abstient? Qui vote contre? Je vous remercie. On passe au chapitre transition écologique. Et c'est notre collègue Martine Berry-Séven qui nous présente notre candidature au programme de l'Office français de la biodiversité des territoires engagés pour la nature 2023. Bonsoir à tous. Donc la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages du 8 août 2016 a fixé comme objectif de mettre fin à la perte nette de biodiversité. Le plan biodiversité intitulé « Biodiversité tous vivants »
présenté en juillet 2018 par le ministère de la Transition écologique et solidaire, vise à atteindre cet objectif et notamment à accélérer la stratégie nationale pour la biodiversité. Territoire engagé pour la nature, TEN, est un volet collectivité locale de la stratégie nationale pour la biodiversité dont le plan d'action vise à un engagement large des acteurs dans tous les secteurs d'activité et à toutes les échelles territoriales. La reconnaissance TEN, attribuée pour 3 ans, permet notamment aux collectivités d'intégrer le réseau des TEN pour avoir accès à des ressources et des contacts des partenaires nationaux et régionaux, ainsi que des retours d'expérience des communes qui sont déjà engagées, avoir un accès facilité à certains financements publics, bénéficier d'une valorisation nationale et locale des projets et des bonnes pratiques. Il est proposé donc de présenter les projets suivants dans la candidature de la ville de Colomiers: l'atténuation des îlots de chaleur urbains dans les cours d'école, l'accessibilité d'un espace vert de fraîcheur à moins de 15 minutes à tous les habitants, création du bois du Bassac, programmation de sensibilisation aux enjeux de la préservation de la biodiversité au sein de la maison de la transition écologique. Quelques précisions. La date limite des dépôts des candidatures est fixée au 7 juillet 2023. La sélection des projets aura lieu à partir d'octobre 2023 pour une attribution de la reconnaissance en 2023. Et la candidature et la labellisation de la ville de Colomiers n'entraînent aucun frais. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que vous avez des questions ou des observations? S'il n'y en a pas, donc je mets aux voix. Qui s'abstient? Oui, monsieur Lamy. J'avais posé cette question en commission. Il y a quelque chose où j'étais un peu étonné, c'est qu'il n'y avait pas de pourcentage. En fait, on parle d'atténuer, mais il n'y avait jamais de pourcentage. Donc ça, je l'avais dit en commission, mais je pense que c'est dans le programme TEN. Et vous parliez de 15 minutes à pied à tous les habitants. Et là, j'avais posé la question, à quelle vitesse était imaginée cette distance? On a fait les distances à une vitesse normale, sans courir, s'entraîner, mais quelque chose de tout à fait normal, en tenant compte évidemment qu'il pouvait y avoir des enfants, des personnes âgées. Voilà, c'est quelque chose qui peut se faire tout à fait tranquillement. Parce qu'on est d'accord que les personnes qui souffrent le plus, ou qui vont le plus souffrir des îlots de chaleur, ça reste les personnes âgées, et je pense que ça doit être la base, entre guillemets, de référence. Que non. Les personnes un peu plus rapides, elles iront en moins de 15 minutes, mais je pense que ça doit être la base. Voilà, mais il faut quand même partir sur... Voilà, on peut pas marquer les plus fragiles. 30, 15, c'est sur les plus fragiles, mais on en a tenu compte. Hein. Quand même, vous rappelez, monsieur Lamy, que pour les personnes fragiles et âgées, en effet, heureusement d'ailleurs, il y a bien d'autres dispositifs. Hein, notamment, c'est dommage, monsieur Simion s'est absenté, mais il aurait pu vous indiquer tous les dispositifs qui sont portés par le Centre communal d'action sociale, qui présente bien sûr et répertorie toutes les personnes âgées, isolées, fragiles de la collectivité, qui dès lors qu'on déclenche des périodes chaudes ou de canicule vont avoir un contact. Et bien sûr, pour ces personnes-là, il y a des dispositifs qui se mettent en œuvre, notamment évidemment l'ouverture d'équipements publics rafraîchis qui leur permettent, voilà, où on peut aller les chercher avec nos agents municipaux. Bref, tous ces dispositifs sont évidemment à l'œuvre, bien entendu, mais je pense que vous aviez traduit quand même que l'idée, en effet, c'est pour quelqu'un de valide, de quelqu'un qui peut en effet se déplacer pendant 15 minutes ou 10 à 15 minutes à pied, de trouver un espace de fraîcheur. Et nous en avons d'ailleurs déjà beaucoup dans la ville. Donc j'imagine d'ailleurs que le step ne sera pas trop important. Mais soyez honnête de considérer que ce dispositif, la question, surtout, je l'avais posée en... n'a pas vocation en commission, ça aurait été... Enfin, voilà, je l'avais déjà posé. On m'avait dit qu'on aurait peut-être la réponse. Là, ça m'apporte quelque chose d'un peu plus. J'imagine que ça doit être du 5 km/h. C'est juste ça. Vous comprenez bien qu'une personne qui a 80 ans, 85 ans ou 90 ans et qui a des difficultés à se déplacer, c'est pas le dispositif qui va lui être proposé. Et heureusement. Et le Centre communal d'action sociale qui travaille avec l'ensemble, bien sûr, des relais dans la ville
prennent en charge ces personnes-là, dans ces cas-là, bien sûr. Et heureusement. Oui, Madame Zagdoudi. Oui, je voudrais quand même émettre des réserves sur l'activité physique chez personnes âgées en temps de canicule. Hein, donc vraiment, le message qui doit, à mon avis, être passé, c'est vraiment rester chez vous quand il fait chaud, quoi. Oui, c'est exactement voilà. Ce que je viens de dire. On est bien d'accord, oui. On est bien d'accord. Voilà. Je vantais, Monsieur Simion, les dispositifs, bien sûr, qui sont mis en place par le Centre communal d'action sociale vers les personnes âgées en cas de forte chaleur ou de canicule. Bien sûr, on ne les envoie pas 15 minutes à pied vers les îlots de fraîcheur de la ville. Non, S'il avait fait 40 degrés cet après-midi, on ne les aurait pas envoyés, par exemple, au gymnase de Bertrand Drieu, où on a assisté à une séance de basket avec une vingtaine de seniors qui, justement, retrouvent à cette occasion à la fois de l'autonomie et l'envie de bouger. Donc, sur cette question de la canicule et du déclenchement du plan canicule, qui relève du préfet d'ailleurs, on est allé vers les columérines et les columérins. Notamment, on a fait deux présences au marché de plein vent un samedi matin pour sensibiliser, évidemment, les columérines et les columérins à la fois se déclarer en situation de fragilité ou, le cas échéant, d'isolement. Faire en sorte que certaines personnes qui connaissent des personnes âgées fragiles soient déclarées comme telles. Donc voilà. Bien, et le public cible, c'est évidemment l'ensemble des columérines et des columérennes, dont tous celles et ceux aussi qui doivent pouvoir accéder à un espace de fraîcheur quand ils habitent dans des immeubles particulièrement qu'ils n'ont pas d'espace de verdure à proximité ou chez eux carrément. Bien, je mets cette délibération à votre appréciation. Qui s'abstient, qui vote contre, je vous remercie. Appel à projet autour de l'arbre 2023, Madame Berry-Séven. La ville de Colomiers a lancé un appel à projet sur le thème de l'année de l'arbre pour 2023 et a souhaité accompagner financièrement les initiatives citoyennes visant à mettre en œuvre des projets de démarche qui renouvellent nos façons de consommer, produire, travailler et vivre ensemble. Les projets proposés par les citoyens sont évalués au regard des critères suivants: l'innovation, l'exemplarité, la pédagogie et le rayonnement. Le 15 mai dernier, s'est tenu un jury composé d'un collège d'élus, d'un représentant des comités de quartier et d'un représentant du Conseil citoyen des transitions écologiques. On a examiné 4 dossiers qui ont été déposés et on vous propose donc d'attribuer les subventions et les moyens d'accompagnement de la ville aux 2 projets suivants. Nos amis les arbres, qui sont portés par l'association Reflets CPI Terre Toulousaine, avec une subvention ville accordée de 5 000 euros. Et l'objectif étant de sensibiliser, de former et d'accompagner les animateurs du centre de loisirs du Cabirol à la biodiversité présente dans le centre et aux techniques d'animation visant les enfants qui sont sur ce centre, qui y sont accueillis. Le second projet, c'est un semis d'arbres sur sol régénéré qui est porté par M. Christophe Marek avec une subvention ville accordée de 2 640 euros. L'objectif étant de permettre la mise en place et le développement d'écosystèmes boisés résistants et résilients. Ce projet sera mené en partenariat avec des étudiants ingénieurs agronomes et sûrement accompagné avec 1 ou 2 écoles columérines. Voilà, Madame le maire. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions ou des observations ? Je mets aux voix. Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Je vous remercie. Le point suivant, c'est M. Aïtali qui nous le présente au titre du projet Ville Fertile, appel à manifestation d'intérêt pour les maraîchers, volet 2. C'est ça. Donc on avait voté, Madame le maire et mes chers collègues, on avait voté lors d'un précédent conseil municipal un premier AMI pour installer un premier maraîcher qui est en cours d'installation. Et depuis, des maraîchers nous avaient sollicité pour se réinstaller. Et donc on réouvre cette AMI pour justement pouvoir proposer ces nouvelles installations. Et comme pour le premier AMI, nous aurons un groupe de travail constitué d'élus et d'experts de la ville pour pouvoir étudier tous les candidats et pouvoir justement choisir, comme on l'a fait sur le premier volet. Voilà. Merci. Est-ce que vous avez des questions ou des observations ? Il n'y en a pas. Je mets donc aux voix. Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Je vous remercie. Et on poursuit avec un appel à manifestation d'intérêt pour la requalification paysagère du terrain du Bassac.
Oui, toujours. Donc, dans l'idée de réaménager ces zones-là et d'installer les maraîchers, juste à côté, il y a une zone, l'ancienne décharge, pour les plus anciens d'entre nous. Et on a été sollicité par une entreprise qui souhaitait proposer de la terre pour réaménager cette zone-là. Et donc, nous sommes intéressés pour travailler à la réflexion à cette mise en place. Et donc, on a décidé d'ouvrir un appel à manifestation d'intérêt qui nous permettrait d'avoir un peu un regard, d'ouvrir ça à plusieurs entreprises qui pourraient être intéressées pour aussi venir déposer la terre. Et ça me permettrait d'avoir un projet à suivre avec un groupe pareil, de la même façon qu'on aurait un groupe avec, pour l'AMI précédent. On aurait un groupe avec comité de quartier, avec des élus qui pourraient avoir cette vision sur l'aménagement de cet espace-là, en conservant tous les espèces qui sont déjà en place et en mais faisant en sorte d'embellir cet espace pour redonner aux columérins un espace un peu botanique et un espace un peu de balade. Donc on propose d'ouvrir cette AMI-là, de l'ouvrir pendant un mois, de voir qui se positionne et après de pouvoir suivre les projets qui vont être mis en place et proposés. Très bien. Est-ce que vous avez des questions ou des observations ? Il n'y en a pas. Je mets donc aux voix. Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Oui, Monsieur Gimenin. Oui, bonsoir tout le monde. C'est vrai que cette zone est un peu laissée à l'abandon. Elle mériterait d'être requalifiée, comme la Dalib le dit. Mais je pense qu'il serait peut-être opportun de faire des analyses de sol aussi. Pour les anciens de Colomiers, vous savez que c'était une décharge, la Dalib le dit. Et beaucoup de rumeurs ont persisté pendant des années et des années sur ce qui pouvait être entreposé. Donc moi j'invite la municipalité à peut-être voir avec des compteurs, sans pour autant passer par, je dirais, une opération lourde, mais il pourrait y avoir une petite analyse de sol, voire même avec des compteurs qui permettraient de voir s'il n'y a pas quelque chose de probant, en tout cas à l'intérieur de la terre. Côté décharge, là pour les anciens, là où il y avait le club de tir, hein, aussi. Tout ça, c'est prévu justement. C'est le groupe qui sera missionné aura comme travail de regarder un petit peu ce qu'on va faire, jusqu'où on va et comment on peut justement requalifier cet espace. Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi des poutres qui poussent parce que c'est des rebuts de l'ancienne décharge. Il y a des poteaux qui sont des fois par terre, donc c'est de remettre cette zone un petit peu, voilà, et de pourquoi pas regarder aussi ce qu'il y a dessous. Donc ce sera l'occasion d'en discuter dans le groupe de travail. Ok, merci. Oui, monsieur Lamy. Là, pareil, en commission, on avait parlé que les entreprises voulaient en fait déposer de la terre dite inerte, il me semble ça. C'était dans la délibération en commission. C'est pas tout à fait inerte, c'est justement ce groupe doit veiller à la qualité de la terre qui sera déposée. On aura un contrôle à faire sur cette terre qui arrivera. Donc on sera attentif à la terre qui sera déposée. C'est ça qui avait été dit en commission. Voilà, parce qu'en fait au début on avait parlé du mot inerte, vraiment que ce soit dans cet appel à manifestation qu'on parle de substrat fertile en tout cas. L'objectif c'est évidemment pas de planter, hein, pas de planter quoi que ce soit, hein, sur ce secteur où rien ne peut être réalisé. On est bien d'accord, hein, je crois. Quand on parle de plantation, des plantes et tout ça, non, pas manger, il n'y aura rien. C'est des arbres qui sont déjà, c'est que reboisé, c'est que des choses comme ça. Il n'y aura pas d'autre chose qui sera plantée dessus, bien sûr. Eu égard à ce que disait M. Gimena sur ce qu'il y a dessous, est-ce que... Oui, M. Gimena. Non, en tout cas, c'est un bon exercice de style, parce que là, on aurait comme partenaire une entreprise. Vous savez que les entreprises, quand elles extraient de la terre, doivent traiter ces terres. Et ça coûterait une fortune à la municipalité que de faire venir des camions pour requalifier cet espace. Donc, il y a une véritable opportunité. Ce qui est intéressant, c'est cette intelligence collective, c'est-à-dire de mettre, je dirais, ce projet au centre d'un cercle composé d'élus, peut-être de citoyens, de comités de quartier, etc., etc. Ensuite, après, je pense que ce qui pourrait être intéressant,
c'est de travailler sur le concept de design. Le mot design est beaucoup employé en permaculture pour donner quelque chose qui soit aussi agréable, indépendamment de ce que j'ai dit sur la qualité du sol. Après, le distinguo entre terre inerte ou pas, tout dépend de ce qu'on en fait. Pour faire des formes, la terre inerte est très bien. Si sur une terre inerte, vous mettez après de la terre qui est riche en humus, ça poussera tout seul, tout seul. C'est simplement pour faire les formes, une terre inerte, elle n'est inerte qu'un temps, elle peut devenir riche. Tout dépendra des apports qui seront mis dedans, quoi. Bien, merci pour vos observations et votre participation à cette discussion. Je mets aux voix qui s'abstient, qui vote contre. Je vous remercie. Au titre du chapitre des conventions, donc la première, c'est une convention portant création d'un groupement de commandes entre la mairie et le CCAS pour la conclusion d'un marché public relatif à la souscription des contrats d'assurance de la ville. Tout est dans le titre. Est-ce que vous avez des questions ou des observations? Je mets aux voix qui s'abstient, qui vote contre. Je vous remercie. Et la deuxième, c'est une convention qui porte création d'un groupement de commandes avec le CCAS. Madame Clouscar qui nous en parle. Oui, le présent marché concerne la collecte, le transport et la valorisation des biodéchets du pôle alimentation hygiène des locaux et l'EHPAD émeraude du CCAS. Le recours à un groupement de commandes pour la réalisation de ces prestations, tant pour les besoins propres du CCAS que pour ceux de la commune, permettrait par effet de seuil de réaliser des économies tant sur le contrat que sur la procédure de passation. La ville de Colomiers produit actuellement 4 500 repas par jour en régie, en liaison froide à destination des crèches, des groupes scolaires, d'un centre de loisirs, du restaurant administratif et d'un EHPAD. Le centre de restauration municipale génère des biodéchets de préparation des repas, alors que les sites de restauration satellites produisent, eux, principalement des biodéchets de restes de plateaux. Les déchets collectés seront des biodéchets de type déchets alimentaires d'origine végétale, déchets de cuisine d'origine animale, restes des repas non consommés, serviettes et essuie-mains en papier, barquettes, gobelets et couverts compostables et biodégradables. L'estimation de la production de biodéchets est estimée entre 100 et 140 tonnes par an pour l'ensemble des sites de collecte. En conséquence, il est proposé au Conseil municipal de constituer un groupement de commandes entre la ville de Colomiers et le CCAS de Colomiers en application de l'article L2113-6 du Code de la commande publique. La constitution du groupement et son fonctionnement sont formalisés par la convention annexée. Merci beaucoup. Donc, c'est un système juridique qui nous permet de grouper mairie et CCAS sur ces thématiques-là. Est-ce que vous avez des questions? Je mets aux voix qui s'abstient, qui vote contre. Je vous remercie. Au chapitre intercommunalité, Monsieur Rioux, pour l'approbation des statuts de la SPL RIN. C'est une délibération que je vous ai déjà présentée, mais les statuts de la SPL ont évolué en décembre 2022. Je vais donc vous la représenter brièvement. Le 4 avril 2013, Toulouse Métropole et la ville de Toulouse ont constitué une société publique locale dénommée SPL RIN, dont l'objet est l'établissement et l'exploitation des infrastructures de communication électronique, ainsi que le développement et l'exploitation des services numériques pour le compte exclusif de ces collectivités actionnaires. Jusqu'ici, la commune de Colomiers ne pouvait bénéficier aisément des services de cette SPL du fait du Code des marchés publics. Il est donc proposé de rentrer dans l'actionnariat de cette SPL comme proposé par le président de Toulouse Métropole. Entrer au capital de cette SPL permettra à la commune de Colomiers de bénéficier de l'expertise et des compétences de la SPL en matière de développement et d'exploitation des services numériques, de simplifier les procédures pour les raccordements de ces points, sites publics, équipements de vidéoprotection, et d'optimiser ses coûts dans un contexte de mutualisation. Actuellement, ces interconnexions sont essentiellement opérées par des liaisons opérateurs louées, onéreuses, et des ponts radio bas débit. Les nouveaux statuts intègrent une modification de la composition du comité d'engagement et de contrôle.
merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions ou des observations? Je mets donc aux voix. Qui s'abstient? Qui vote contre? Je vous remercie. Alors, maintenant, on va passer au chapitre des commissions. Alors, pour tenir compte de plusieurs éléments, à la fois, bien sûr, et vous l'avez compris, le remplacement de Marie-Odile Bertrand par Norbert Monté, donc on va rebalayer l'ensemble des commissions municipales, mais aussi le changement de groupe opéré par Madame Fratelli, donc qui donne effectivement à ce groupe une dimension plus importante et qui rebalaye notamment les commissions, j'allais dire régaliennes, que nous allons devoir examiner. Donc, Monsieur Arnaud Simion, je crois, avait pris le soin de faire une réunion avec les présidents de groupe pour vous permettre de préparer ces différentes délibérations. Donc, je vais démarrer avec la modification de la composition des commissions municipales. Nous avons donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, nous avons donc 8 commissions municipales. Pour chacune, nous avons déjà arrêté un nombre d'élus. Okay. Donc, je vais les rebalayer. Pour la commission des 8 commissions municipales, alors attendez, modifications. Donc là, il faut les rebalayer. Oui. Il n'y a pas de changement pour les commissions. Il n'y en a pas pour toutes les commissions, ouais. Mais je vois que là, en fait, on ne fait qu'approuver les nombres, mais je n'ai pas toutes les commissions. Il y en a pour certaines, il y a des changements. Je les liste. Hein, donc, pas de changement sur la commission des finances. Pour la commission démocratie locale solidarité. Donc. Il y a un changement. Marie-Odile Bertrand est remplacée par Caroline Vaucher. Et selon les informations qui me sont communiquées, M. Vasquez est remplacé par Mme Fratelli. Nous sommes d'accord. Mme Zagdoudi reste sur cette commission ainsi que. Et on voit arriver M. Berthollet. Tout à fait. Nous sommes d'accord. Tout à fait. Commission sécurité, tranquillité publique. Donc, M. Norbert Monté viendra dans cette commission et pour le groupe Esprit Colomiers remplacera donc Mme Vaucher. Et concernant vos groupes respectifs, M. Vasquez, M. Gimena et Mme Aubé. Tout à fait. Nous sommes d'accord. Pour la commission transition écologique, économie sociale et solidaire, donc de notre côté, donc, c'est M. Monté qui viennent dans cette commission, et pour les autres groupes respectifs, donc M. Kasmarek, M. Gimena et M. Lamy, pas de changement. Commission petite enfance, éducation, un changement, alors pas de changement pour le groupe Mme Vaucher, Esprit Colomiers, pour vos groupes respectifs, donc on trouvera Mme Fratelli, on trouvera Mme Zagnoudi et M. Thomas Lamy. Nous sommes d'accord ? Commission vie associative, sport, culture, jeunesse. Pas de changement pour le groupe Esprit Colomiers. Pour les autres groupes, Madame Fratelli, de votre côté, Madame Zagdoudi et Madame Aubé. Nous sommes d'accord. Commission urbanisme, cadre de vie. Pas de changement. Commission innovation territoriale et coopération internationale. Pas de changement. Très bien. Donc voilà pour la première délibération que je mets aux voix. Qui s'abstient, qui vote contre, nous sommes bien sûr tous d'accord. Ensuite, pour la délibération 29, modification de la composition du conseil d'administration du centre communal d'action sociale. Et nous allons avoir le même process pour les délibérations qui concerneront la commission d'appel d'offres et la commission de délégation des services publics. C'est-à-dire qu'en principe, pour ces trois commissions, et donc j'y reviendrai pour chacune, scrutin se fait en principe, l'élection se fait à bulletin secret.
Néanmoins, nous avons la possibilité, si l'unanimité des membres de l'Assemblée l'accepte, de voter à main levée pour ces désignations. Je vais donc vous demander si c'est le process que je propose, c'est le vote à main levée. Et je vois M. Simion qui fait des gestes. Je vais quand même très formellement vous demander s'il y a des oppositions à ce que nous procédions au vote à main levée. Bien. En revanche, soyez attentifs. Nous devons respecter le principe du scrutin de liste, puisque le Code général des collectivités territoriales nous impose de procéder à ces désignations sur la base de listes, à la représentation proportionnelle et au plus fort reste. Je vais donc appeler les listes pour chacune des élections. Mais, bien entendu, vous pouvez donner des listes incomplètes. Voilà. Alors, nous allons commencer par les membres du conseil d'administration du CCAS. Alors, en principe, il y a 8 membres et nous restons à 8. Bien. Jusqu'à présent, nous avions pour le groupe Esprit Colomiers M. Simion, Mme Chancheur, M. Dupuche, Mme Auguenois, M. Aubin, Mme Berry-Séven. De votre côté, il y avait Mme Fratelli et Mme Sabrina Martin. Au regard des changements opérés, évidemment, les répartitions seront différentes en fonction des votes que je ne peux pas à ce jour et à ce stade et à ce moment anticiper. Je vais donc appeler les listes et appeler les votes. Et comme nous l'aurions fait si nous avions voté à bulletin secret, l'administration ici présente va comptabiliser les votes et nous donner un résultat. Très bien. J'appelle donc le dépôt des listes, Madame Vauchère, pour la liste Esprit Colomiers. Alors, la liste reste inchangée. Arnaud Simion, Marie-Christine Chanchol, Thierry Dupuche, Roséanne Auguenois, Théodore Aubin, Martine Berry-Séven, Ségolène Labbé et Claude Sarallier. Très bien. J'appelle la liste à déposer pour le groupe Colomiers Citoyenne, Monsieur Vasquez. Alors, Sabrina, je fais avec les prénoms, hein, si vous voulez bien. Sabrina Martin, Valérie Fratelli, Éric Kazmarek et moi-même. Très bien, pour le groupe de Monsieur Lamy. Monsieur Lamy, Madame Aubé et Monsieur Berthollet. Pour Monsieur Gimena, pour le groupe Vivre mieux ensemble à Colomiers, Madame Zagdoudi et Monsieur Gimena. Nous allons donc maintenant procéder au vote. Qui vote pour la liste déposée par le groupe Esprit Colomiers telle qu'elle a été mentionnée? Celles et ceux qui ont un pouvoir lèvent les deux mains. Sa parole sont trompeuses. Non, alors, monsieur Lamy, s'il vous plaît. Ah non. Non, alors là, non. Non, alors ça, préféré moyennement. On est bon. À la métropole, ils font ça très rapidement. Hein. C'est bon ? Ah, j'ai un pouvoir, peut-être, oui. Ah, je sais pas. Oui, c'est ça. J'ai peut-être un pouvoir, moi, non ? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139
Pardon ? Non, c'est pas Christophe Corbi qu'elle a. C'est pas Christophe Corbi qu'elle a. Mais c'est pas. Non, t'as pas de pouvoir, toi. C'est pas Christophe Corbi. Mais t'es revenu, donc t'as pas de pouvoir. C'est pareil, ça fait deux. Ok. Pour la liste déposée par le groupe Colomiers Citoyenne menée par M. Vasquez, levez la main ceux qui votent pour cette liste avec les pouvoirs. 4. Non, ça suffit. Ah, mais c'est pas vrai quand même, on est dans un conseil municipal, on n'est pas là pour rigoler. 4 voix. J'appelle les votes en faveur de la liste menée par M. Lamy pour le groupe Osons, une autre histoire pour Colomiers. Levez la main en posant la carafe. 3 voix. Pour la liste du groupe Vivre mieux ensemble à Colomiers, menée par M. Gimena, 2 voix. C'est enregistré. Bien, alors nous allons attendre que les décomptes soient faits, d'accord, comme si on dépouillait, et ensuite l'administration nous donnera les résultats. Bien. Juste, Madame le maire, combien de voix la liste Esprit Colomier a été comptabilisée ? 29. 22. C'est logique en principe. Hein. Ça me semble être la logique. Alors, ensuite, pour la commission d'appel d'offres. Donc, c'est le même processus pour la commission d'appel d'offres. Nous devons avoir 5 titulaires et 5 suppléants. J'appelle les membres pour la liste Esprit Colomier. Alors, pour les membres titulaires, Claude Sarallier, Pierre Vergnol, Thierry Dupuche, Martine Berry-Séven, Christophe Corbi. Pour les membres suppléants, Philippe Briançon, Caroline Vaucher, Franck Ribéron, Sophie Boubidi et Arnaud Simion. Très bien, merci beaucoup. J'appelle les membres pour la liste Colomiers Citoyenne. Francis Vasquez, Éric Kazmarek, Sabrina Martin, Valérie Fratevi. C'est enregistré. Du côté de l'administration, vous enregistrez les listes ou c'est moi qui dois noter ? D'accord. Très bien, on est en ordre. Ok. Liste, Osons une autre histoire pour Colomiers. Élodie Aubé, Claude Berthollet, Thomas Lamy. Pour la liste, Vivre mieux ensemble à Colomiers. Monsieur Gimena et Madame Zagdoudi. Très bien, maintenant que les listes sont déposées, j'appelle les voix. On vote pour la commission d'appel d'offres, pour la liste déposée par le groupe Esprit Colomiers. Vergnol, il m'a donné pouvoir. C'est ça, tu vois. Oui, oui. Oui, mais c'est Pierre Vergnol qui m'a donné pouvoir. C'est pour ça que j'ai les deux pouvoirs. Pierre Vergnol. Ok, j'appelle les votes pour la liste Colomiers Citoyenne. 4 voix. J'appelle les votes pour la liste Osons une autre histoire à Colomiers. 3 voix. J'appelle les votes pour la liste Vivre mieux ensemble à Colomiers. 2 voix. On continue sur cette magnifique lancée. Ah, alors, Monsieur Vasquez, s'il vous plaît, vous voyez que je fais bien de poser la question, pour la commission d'appel d'offres, l'ordre de votre liste, Monsieur Vasquez, vous avez dit en premier. Après. Ok. Merci. Ok. Alors, hop, ça c'est fait. On passe maintenant à la délibération 32, constitution de la commission de délégation de services publics. La même chose. J'appelle les listes. Madame
Vauchère. Alors, pour Esprit Colomiers, en titulaire, Josiane Moore, Claude Sarallier, Pierre Vergnol, Thierry Dupuche, Sophie Boubidi, et en suppléant, Martine Berry-Séven, Philippe Briançon, Caroline Vauchère, Christophe Corby et Arnaud Simion. Merci, Monsieur Vasquez. Alors, moi-même, Francis Vasquez, Éric Kaczmarek, Sabrina Martin, Valérie Fratelli. Ok, Monsieur Lamy. Je ne vous entends pas. Il y a un micro, Monsieur Lamy. Je pensais parler suffisamment fort, désolé. Et non, ben ça enregistre. Élodie Aubé et Claude Berthollet. Et Monsieur Berthollet. Exactement. Ok. Et Monsieur Salois et moi-même. Madame Zagdoudi et Monsieur Gimenin. Très bien, maintenant j'appelle les votes. On vote dans le cadre de la constitution de la commission de délégation des services publics. Donc, qui vote pour la liste présentée par le groupe Esprit Colomiers? Ça fait 29, toujours en principe. Ok, qui vote pour la liste présentée par Colomiers Citoyennes? Ça fait toujours 4. La liste Osons une autre histoire. J'appelle les voix, Monsieur Berthollet. Vous voulez bien voter? Merci. Ça fait donc 3. Non mais. Et pour la liste Vivre mieux ensemble à Colomiers, 2. Nous sommes d'accord. C'est sûr que. Alors. Les résultats pour le conseil d'administration du CCAS. Liste Esprit Colomiers, 29 voix. Colomiers Citoyennes, 4. Osons une autre histoire, 3. Vivre mieux ensemble à Colomiers, 2. Donc les 8 élus au conseil d'administration du CCAS sont M. Simion, Mme Chanchorle, M. Dupuche, Mme Hoguenois, M. Aubin, Mme Berry-Séven, Mme Martin et M. Lamy. Pour la commission d'appel d'offres. Nombre de suffrages exprimés, 38. Nombre de voix, 29 pour Esprit Colomiers, 4 Colomiers Citoyennes, 3 Osons une autre histoire, 2 Vivre mieux ensemble à Colomiers. Les élus membres de la commission d'appel d'offres sont donc titulaires Sarallier, Vergnol, Dupuche, Berry-Séven, Vasquez. Suppléants Briançon, Vauchère, Ribeyron, Boubidi, Kaczmarek. Ok. Et pour la commission de délégation des services publics, donc 38 suffrages exprimés toujours, Esprit Colomiers 29, Colomiers Citoyennes 4, Osons 3, Vivre mieux 2. Donc les titulaires sont Josiane Mourgue, Claude Sarallier, Pierre Vergnol, Thierry Dupuche, Francis Vasquez. Pour les suppléants, Berry-Séven, Briançon, Vauchère, Corby, Kaczmarek. Nous en sommes là et nous avons terminé avec ce chapitre. Mais nous nous en sortons bien. Néanmoins. Alors, on ne se déconcentre pas, on reste évidemment concentré et nous allons arriver maintenant aux autres organismes divers et notamment les comités techniques municipaux. Donc, nous avons 4 comités techniques. Pour la vitalité économique, commerciale et artisanale, pour l'égalité femmes-hommes, lutte contre les discriminations, pour les moyens techniques et la sécurité du patrimoine communal et pour l'exemplarité de la municipalité. Chaque comité technique est composé au minimum de 7 personnes physiques et sa présidence est assurée par un membre du conseil municipal désigné par le maire. Donc, pas de changement sur ces comités techniques en nombre d'élus.
Je relève néanmoins des changements dans les membres. Donc, je vais les retracer. Pour le comité technique vitalité économique, donc 7 membres. Pas de changement pour la liste Esprit Colomier. Pour les 3 élus de vos groupes respectifs, Madame Martin, Monsieur Gimena et Monsieur Lamy. Est-ce que nous sommes d'accord? Pas de changement, donc. Pour le comité technique pour l'égalité femmes-hommes, pas de changement pour nous, avec Madame Vauchère, Pradel, Ribeyron et Malem. De votre côté, j'ai Madame Martin, Sabrina. Ça change. Alors, j'ai Monsieur... Madame Fratelli. C'est noté. Ensuite, j'ai Madame Zagdoudi. Pas de changement. Et j'ai Madame Aubé. On est bon. Pour le comité technique, pour les moyennes techniques et la sécurité du patrimoine communal, dans la logique, chez nous, on aura un changement. Madame Clouscar va sortir au bénéfice donc de Monsieur Monté. Ensuite, donc, nous avons Monsieur Corby, Madame Casalis. De votre côté, j'ai noté Monsieur Kasmarek, Madame Zagdoudi, et il me faut quelqu'un de votre groupe, puisque jusqu'à présent c'était Madame Fratelli. Monsieur Berthollet. OK. Et ensuite, donc, le dernier, l'exemplarité de la municipalité dans la transition écologique. Donc, pour ce qui concerne donc, le groupe Esprit Colomier, Madame Berry-Séven, Monsieur Aitali, Madame Mourgue, Madame Stambach. De votre côté, sur ce, donc, de, chez nous, pas de changement. De votre côté, j'ai noté Monsieur Vasquez. Monsieur Kasmarek. OK. Monsieur Gimena. Et Monsieur Lamy. On est OK. On est OK. On était donc sur la délibération 34. Nous sommes tous d'accord et voilà, nous la votons à l'unanimité. Modification de la composition du Conseil Columérin de la vie associative. Donc, ce Conseil Columérin de la vie associative comprenait jusqu'à maintenant 5 conseillers municipaux pour permettre une plus grande représentation des groupes. Nous vous proposons de passer à 7 conseillers municipaux, ce qui permet à chaque groupe d'être représenté. Madame Vauchère, donc de notre côté, j'ai noté Madame Vauchère, Monsieur Bengois, Monsieur Ribeyron et Madame Labbé. Ensuite, donc, de votre côté, Monsieur Vasquez. Ah non, 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 ça suffit. Un seul. Voilà. Monsieur Gimena, Madame Zagdoudi. Et c'est le Conseil Columérin de la vie associative. Monsieur Lamy. Parfait. Syndicat Haute-Garonne Environnement. Il n'y a que 2 délégués, c'est nous qui les désignons. Donc c'est Madame Boubidi, titulaire, et Madame Josiane Mourgue, suppléante. C'est le syndicat Haute-Garonne Environnement. Comme il n'y a que 2 délégués pour la commune de Colomiers, c'est le groupe Esprit Colomiers qui, et c'est moi qui désigne les propositions. On met aux voix, on est d'accord là-dessus. Merci. Modification des représentants au sein de la Fédération associative Columérine, la FAC. 5 conseillers municipaux. Et là,
Et je ne l'ai pas, moi, qu'on passe à 7. Oui, donc là, c'est Madame Labbé qui remplace Madame Bertrand. C'est le seul changement. On est bon là-dessus. Parfait. Mesdames, vous remontez ? Parfait, merci beaucoup. Donc, il nous reste maintenant à examiner les vœux que j'ai reçus et qui ont été déposés donc, dans les délais. Alors, j'ai un vœu proposé par le groupe Vivre Mieux Ensemble à Colomiers. Et je vous écoute donc pour rapporter ce vœu. Oui, alors nous avons déposé ce vœu et nous avons reçu de la part du groupe Esprit Colomiers des propositions d'amendement. Et donc nous avons, avec Salois et moi-même, avons étudié les amendements proposés. Et nous avons acté le fait qu'ils n'altèrent en rien le fond du sujet traité par notre vœu. Donc nous avons intégré ces amendements dans le vœu que je vais vous lire maintenant et qui va donc différer un temps, soit peu, du vœu que vous avez reçu dernièrement. Je vous dois la lecture en entier de ce texte. Face à la pénurie de médecins annoncés dans notre ville, agir ensemble pour la santé de toutes et de tous. Notre système de santé est en grande difficulté. Les hôpitaux de notre pays sont en souffrance, les urgences sous-dotées et les déserts médicaux en milieu rural prolifèrent jusqu'au cœur de nos villes. Une étude de l'Institut des politiques publiques réalisée sous l'égide du ministère de la Santé et de la Défenseure des droits a démontré les difficultés d'accès aux soins pour tous. Elle a étudié le comportement de plus de 3000 praticiens dans trois spécialités, médecine générale, ophtalmologie et pédiatrie. Le résultat est sans appel. Obtenir une consultation de pédiatrie prend en moyenne 25 jours, de médecine générale la demande 8 jours, et les délais s'allongent encore et encore. Face à ces difficultés, nombre de nos concitoyens s'éloignent des indispensables soins et de parcours de prévention. 60% des femmes renonceraient à des soins gynécologiques et plus de 10% des populations les plus modestes se détournent des actes de prévention élémentaires. Amer constat de voir que ces difficultés d'accès aux soins provoquent tout simplement de véritables découragements et renonciations à se soigner. Il fut une époque où nous pouvions être fiers de notre système de santé, observé par le monde entier comme un des meilleurs au monde. Quel gâchis provoqué par la rationalisation des choix budgétaires au détriment de notre bien commun qu'est le système de santé et de notre sécurité sociale. Au-delà de ses propres compétences, notre ville Colomiers a pris sa part au cours des trois dernières années en matière de santé, en jouant son rôle lors de la création fin 2019 de la Communauté professionnelle territoriale en santé, CPTS, qui regroupe les professionnels de santé sur notre bassin de vie de l'Ouest toulousain, Colomiers, Tournefeuille, Pibrac, Plaisance du Touche, Léguevin, Brax, permettant l'ouverture du premier centre de consultation de la Covid-19 en avril 2020, permettant l'ouverture d'un centre de vaccination et d'un vaccinodrome en 2021 en lien avec le CPTS, la préfecture de la Haute-Garonne et l'Agence régionale de santé ARS, pérennisant le contrat local de santé qui réunit non seulement les professionnels de santé, mais aussi les acteurs locaux de l'action sociale, du médico-social, du sanitaire et qui fixe les objectifs collectifs en matière de santé publique sur notre territoire. Créant à Colomiers une mutuelle santé de la ville qui permet aujourd'hui à plus de 500 Columérins de bénéficier souvent de meilleurs niveaux de garantie et de toujours voir le budget annuel consacré à cette dépense à la baisse. Aujourd'hui, à Colomiers, comme partout ailleurs, les projections de la démographie médicale sont défavorables avec un chiffre prévisionnel de 10 médecins généralistes qui partiraient à la retraite d'ici fin 2023. Nous connaissons les difficultés actuelles des médecins généralistes déjà débordés. Ces départs à la retraite, s'ils se réalisent d'ici les prochains mois,
vont provoquer de grandes difficultés. Nous devons rassembler nos forces pour continuer à interpeller et agir. La ville doit accompagner les initiatives portées notamment par la CPTS pour la création d'un équipement à Colomiers pour permettre une meilleure couverture territoriale sanitaire. Dans ce cadre et sur cette question urgente et d'intérêt public, les membres du conseil municipal de Colomiers souhaitent interpeller l'Agence régionale de santé. Et je vous remercie pour votre écoute. Bien, merci, Madame Vauchère. Oui, alors, nous faisons bien évidemment le même constat inquiétant que le groupe Vivre Mieux Ensemble à Colomiers. C'est pourquoi, dès la réception de votre vœu, comme vous l'avez indiqué, nous avons souhaité l'amender afin de pouvoir le voter avec vous. Alors, pourquoi l'amender ? Parce qu'il nous a semblé important de rappeler que la santé n'est pas de compétence communale, mais que néanmoins, nous œuvrons à la hauteur de nos moyens depuis plusieurs années, sous le pilotage du premier adjoint Arnaud Simion, qui dira un mot, j'imagine, après, avec, donc, comme vous l'avez dit, la création de la CPTS, Communauté Professionnelle Territoriale de Santé, notre gestion exemplaire de la crise Covid, le contrat local de santé, c'est même une des délégations de M. Thierry Dupuche, et la mutuelle santé, que vous avez mentionné dans votre vœu, dans les amendements que vous avez intégrés. Nous aurions pu aussi évoquer la semaine de la santé mentale, le guichet à tous seniors, et même nos actions auprès des plus jeunes sur le bien manger et le bien bouger, et notre implication dans l'installation du centre médical Allégorie, pour citer d'autres éléments. Tout ça pour vous dire que dans d'autres domaines, nous activons tous les leviers possibles dans le cadre de nos compétences pour le bien-être et la santé des Colomérines et des Colomérins. Mais il est vital que l'État joue son rôle, et c'est tout le sens de ce vœu que nous allons donc voter avec vous. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, Monsieur Vasquez ? Oui, Madame le maire, chers collègues, nous aussi, on veut bien prendre part justement à ce vœu qui a été fait et qui est une alerte criarde, en fait, qui dure déjà depuis de nombreuses années sur la commune, puisque déjà, lors des élections municipales de 2020, on notait déjà une absence flagrante de certains généralistes, certaines professions spécifiques. Donc c'est ça, quoi, en fait, qui est remis en cause aujourd'hui, et où on trouve que cette alerte, justement, elle est pour pallier, justement, eh bien, pas ce désert, mais il risque d'être là. On voit également des professions bien spécifiques, comme les radiologues et autres, qui ont quitté la commune et qui n'ont pas été forcément remplacés, par rapport à la population que notre commune représente, de deuxième ville du département. Ce n'est pas rien. Donc, effectivement, on l'avait, à l'époque, malheureusement, signalé lors de notre campagne électorale en 2020, on avait signalé justement cette absence. On avait créé une alerte justement par rapport à ce manque. Donc on est très sensible à cela et on adhère dans ce qui a été dit, autant de votre côté que par rapport au vœu qui est présenté. Et on souhaite que, effectivement, l'ARS prenne en compte et la municipalité également, les problématiques qui risquent d'arriver sur la commune. Voilà. Merci. Monsieur Simion. Oui, on ne découvre pas les choses, monsieur Vasquez, effectivement. Mais la première des choses, c'est qu'on a amendé ce vœu parce qu'on a voulu d'abord montrer qu'on avait agi, qu'on agissait et qu'on allait forcément agir. Et les situations telles qu'elles ont été révélées dans la presse récemment concernant Colomiers, elles touchent bien évidemment l'ensemble des communes de France. On discutait avec mes collègues de Blagnac, avec mes collègues de Tournefeuille. Ce n'est pas une spécificité colomérine. On a un atout important. On a deux atouts importants, plusieurs atouts importants. Le premier, c'est qu'on n'est pas resté les pieds dans le même sabot depuis 2020 et que, vous avez vu, je ne vais pas répéter ce qui a été déjà dit, déjà lu, mais la ville, depuis fin 2019, a participé de manière active, a été le témoin actif, ici même, de la signature entre l'ARS,
la CPAM et la CPTS, donc d'un accord de convention pour que justement sur ce territoire qui dépasse Colomiers et qui est un bassin de 110 000 habitants, hein, Colomiers, Tournefeuille, Plaisance-du-Touche, La Salvetat, Brax, Pibrac, Lévin, eh bien, les professionnels de santé puissent effectivement se réunir, se renforcer pour mieux se coordonner. Donc l'objectif de cet amendement, c'était de se dire on n'a pas rien fait. Vous pourrez vous parler avec Madame le maire de la mutuelle Just. On a reçu ce matin avec Madame le maire la 500e adhérente qui, d'ailleurs, préfigure bientôt des chiffres encore plus importants, forcément. Donc, c'est dire toute la réussite de ce dispositif, notamment. Bon, bref, je ne vais pas aller plus loin. Dans ce vœu, ce qui est intéressant, c'est qu'on alerte l'institution de compétence, en l'occurrence l'Agence régionale de santé, et puis on ne présente pas de solution toute faite. Il y a des maisons de santé pluridisciplinaires, il y a des maisons de santé, il y a à chaque fois des aides, quelquefois du département de Haute-Garonne, quelquefois de la région Occitanie, effectivement. Mais ce qui est important, c'est de faire avec et de concerter. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle Madame le maire a reçu assez récemment les médecins généralistes faisant partie de cette CPTS pour partager ensemble le constat. Et puis se dire qu'il fallait impérativement envisager collectivement une stratégie territoriale pour réussir à être encore plus attractif. Le second point, je disais qu'on avait deux points importants, c'est donc cette dimension sur l'aspect sanitaire qu'on a porté depuis maintenant 3 ans. Il y a une petite évolution législative avec la loi 3DS, déconcentration, différenciation, décentralisation qui permet un peu plus aux collectivités de faire des choses en matière de santé, mais bon, voilà, qui sont pas non plus extraordinaires. Mais c'est qu'on est dans l'Ouest, le pôle de centralité de l'Ouest toulousain, et qu'on est forcément attractif et que forcément on aura des solutions à proposer. Ce ne serait pas à moi de le dire, mais Madame le maire, vous avez donné une mission, justement, d'animer un groupe de travail, et un groupe d'action également, parce que c'est ça qu'il faut envisager, pour réunir non seulement les services municipaux, les services sociaux, mais également les médecins généralistes, pour très rapidement débuter un travail sur notre stratégie d'aménagement du territoire, de l'accompagnement de la ville dans ce domaine, avec tout un tas aussi d'éléments très techniques qui relèvent directement soit de la médecine générale, soit également de l'internat des hôpitaux, qui permettent de trouver aussi des solutions. Donc on ne va pas ici, ce soir, se dire qu'on a la solution et qu'on va trouver des solutions. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est déterminé et engagé pour que nous trouvions à Colomiers des solutions pour les préoccupations légitimes qu'ont les Colomérines et les Colomérins dans ce domaine. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Alors, j'avais Monsieur Théo Aubin. Juste deux petits mots pour remettre les choses à leur place. Je n'ai pas dit que vous n'avez rien fait. Bien au contraire. Je dis simplement que c'est un problème qui est de longue date et qu'on ne l'a pas pris forcément à bras le corps et qu'aujourd'hui, il faut le prendre à bras le corps. Vous dites que vous voulez le faire et on en est tout à fait ravis. Monsieur Aubin. Oui, je partage la préoccupation énoncée par le vœu, bien entendu, et je partage également toute l'ambition politique que vient de notamment décrire Arnaud Simion, et je n'en retirerai pas une ligne. Ceci étant dit, les quelques élus communistes ne voudraient pas que notre ambition se limite à une impulsion keynésienne, et je ne dis pas qu'elle l'est, consistant à ce que la collectivité crée les conditions sur ses ressources pour attirer une activité de médecine libérale. Et ce n'est pas ce qui a été dit ni par Arnaud, ni par qui que ce soit. Je vous vois hocher la tête. Par exemple, la région Occitanie a pris une initiative que nous trouvons des plus intéressantes sous la direction de la majorité régionale et plus spécifiquement
de Marie Piquet, qui était une vice-présidente communiste, puis de Vincent Boone aujourd'hui, qui est la création d'un groupement d'intérêt public contre la désertification médicale et pour la création de centres de santé et non de maisons de santé, avec donc des médecins et des secrétaires médicales salariés par le GIP, financés d'abord par la région et ensuite par la Sécurité sociale. Ce GIP aurait l'intérêt de prendre à sa charge jusqu'à 20% du coût des travaux d'aménagement pour une ville comme Coulommiers. Et ce genre d'infrastructure n'est pas réservé, je tiens à le dire, aux zones rurales, puisque les très urbaines et peu suspectes d'une quelconque sorte de bolchevisme ville de Blagnac et de Cugno viennent de se montrer intéressées par cette solution-là. Il n'est pas trop tard pour faire de même. Outre l'aspect service public, qui forcément nous parle au sein de la majorité de manière générale, et forcément, il y a forcément la question de la qualité, puisque cette solution-là permettrait qu'il n'y ait pas de dépassement d'honoraires, ce qui est aussi un vrai plus. Il s'agit d'une possibilité de recruter des médecins qui n'ont pas forcément tous envie de s'installer en libéral, mais qui veulent exercer une médecine de ville. Donc là aussi, c'est une solution qui peut permettre, à côté d'autres, d'être étudiée, enfin, qui mériterait d'être étudiée. Cette proposition, nous l'avions faite dès 2019, avant les élections municipales, pour ce qui est des élus, enfin, des communistes en tout cas, qui n'étaient pas élus à l'époque, dans un tract intitulé « Les 10 propositions pour Coulommiers ». Donc nous la réitérons. Et bien sûr, nous voterons pour ce vœu qui, à mon avis, va vraiment dans le bon sens. Mais en tout cas, voilà, c'était pour apporter une petite pierre à la réflexion collective, qui, bien sûr, n'est pas une conclusion. D'autres interventions ? Monsieur Lamy ? Non, monsieur Lamy, d'abord. Hop. Merci de me donner la parole. Donc, nous avons bien lu ce vœu attentivement. On pense vraiment que la solution, elle doit vraiment venir d'ailleurs. D'ailleurs, il y avait eu des propositions parlementaires qui étaient plutôt transpartisanes, qui me semblent aller dans le bon sens, qui vont peut-être, qui pourraient être ajoutées à ce vœu, peut-être d'envoyer une lettre aux doyens de fac de médecine, parce qu'on se rend compte qu'il faut former de plus en plus de médecins et que ça va être compliqué si on ne forme pas plus. Arrêter le numerus clausus, c'était peut-être bien, mais à partir du moment où il n'y a pas plus de formés, bah, ça va être compliqué. Ensuite, j'ose penser qu'il faudrait peut-être aussi écrire à l'ordre des médecins, peut-être pour sortir de sa position, de ne pas ouvrir des actes, par exemple, aux infirmières en pratique avancée, qui peuvent très bien suivre les personnes qui sont en situation d'ALD, de renouvellement de leur prescription. Peut-être qu'on peut aussi ouvrir un petit peu plus le champ de compétences des masseurs kinésithérapeutes dans le champ de la première intention, surtout sur les quelques premières séances. Je pense qu'ils sont assez formés à tout ce qui est prise en charge des drapeaux rouges et ne pas être des professionnels de santé dangereux. On peut aussi imaginer élargir aussi les compétences des sages-femmes, notamment dans tout ce qui est contraception. Ensuite, en tout ce qui est local, je pense on l'a dit et j'ai apprécié les propos de M. Simion, oui, il n'y aura pas de solution miracle. Et ça, c'est indéniable. On ne pourra pas claquer des doigts et avoir 50 médecins qui vont débarquer. Néanmoins, il y a plusieurs pathologies qui partent surtout de ce qu'on peut appeler la non-observance et surtout tout ce qui est hygiène de vie. Donc ça peut être un travail au niveau municipal d'inciter au mouvement, d'inciter aux liens sociaux. On se rend compte qu'il y a des très bons résultats sur tout ce qui est pathologie d'Alzheimer, sur tout ce qui est perte de mémoire, démence, à renouer en fait le plus de liens entre nous. En plus, ça peut être pas mal pour le vivre ensemble, je trouve ça intéressant. Inciter absolument au mouvement. On sait que rien que marcher 15 minutes par jour, vous pouvez aller voir les travaux du professeur Carré, qui est médecin à Rennes. Bah, en fait, on peut nettement diminuer tout ce qui est pathologie du diabète, tout ce qui est troubles neuromusculosquelettiques. Ça me paraît simple. Je pense que ça peut être une ambition municipale. Voilà, moi, c'est les quelques petits points que j'aurais aimé. Je pense qu'envoyer une lettre à l'ARS, bah,
Je pense pas que ça aide à grand chose. Voilà, sur ce point, je pense qu'on va plutôt s'abstenir. On n'est pas contre ce vœu, on pense juste que il y a d'autres solutions, et les autres solutions, ce sera quelque chose qui vont peut-être avec les propositions que je vous fais, si vous voulez peut-être les ajouter, ce sera avec plaisir. Madame Zagdoudi. Oui, bonsoir. Je voudrais juste donner quelques petites observations à monsieur Théodore Aubin concernant les dépassements d'honoraires chez les médecins généralistes libéraux. Il n'y en a pas beaucoup, c'est extrêmement rare. En général, ils sont quand même conventionnés avec la sécurité sociale, et ce système un petit peu hybride fonctionnait très bien jusque-là. Donc les gens étaient remboursés quasi totalement, je dis bien. Concernant les centres de santé, effectivement, on ne peut que se jouir de ce nouveau type d'exercice qui se fait notamment grâce à la région et au département qui ont ces compétences-là. Toutefois, certaines expérimentations des pays de l'Union européenne, notamment à Madrid, montrent les limites du système, avec malheureusement une démographie médicale telle qu'elle, qui ne peut pas bouger, et donc une demande de productivité. Et en fait, ces centres de santé, eh ben, malheureusement, se mettent en arrêt par grève et par épuisement des médecins. Donc, attention. Voilà, c'est toujours une histoire de fausse bonne idée. Non, mais enfin, je vous donne quelques observations, parce que c'est des modèles qui peuvent être expérimentés, parce que la santé publique, c'est quand même un bien commun. Finalement, peu importe la forme qu'elle prend, l'intérêt, c'est quand même de soigner les gens de façon la plus égalitaire possible, la façon la plus efficiente. Toutefois, le Conseil de l'Ordre des médecins, monsieur Lamy, est au courant et est au courant des problèmes de démographie médicale depuis 20 ans. Toutefois, pour former, il faut des terrains de stage. Pour des terrains de stage, il faut de l'argent, en fait, pour former. Donc on en revient toujours au même, et voilà, des moyens, mais les moyens financiers pour la santé publique, notre État, enfin le gouvernement, les gouvernements successifs, je suis d'accord, ont un petit peu mis de côté ce problème-là. Ensuite, les IPA, ça commence à être formé, ça fait pas longtemps, donc elles se déploient, à l'hôpital notamment, on peut parler de dialyse, des IPA de dialyse. Il faut encore concerter les médecins, je pense, pour savoir comment s'articulent ces choses. Mais je pense qu'il faut se méfier un petit peu des solutions comme ça à l'emporte-pièce. Il n'y a pas de bonne solution. Il y a un problème de démographie médicale. Les IPA, elles sont formées depuis quelques années seulement. Ça fait 2-3 ans. Donc il faut les former, il faut qu'elles se mettent en œuvre, il faut trouver aussi tout un champ juridique aussi pour qu'elles exercent. Ensuite, vous parliez de contraception et de sages-femmes. Les sages-femmes, elles prescrivent en fait la contraception. J'ai parlé d'élargir. C'est exactement pour ça. Qu'est-ce que vous voulez élargir de plus, en fait? Elles prescrivent la contraception. Il n'y a rien à élargir, en fait. Voilà. Voilà. Et après, concernant aussi la prévention, je suis entièrement d'accord avec vous. La prévention, c'est un élément essentiel. Toutefois, c'est pareil. Les médecins scolaires, il n'y en a pas beaucoup. On peut parler des PMI aussi. En fait, ce qu'on dénonce dans ce vœu, c'est un peu plus symptomatique. En fait, c'est symptomatique d'un système de santé qui ne va pas. Tout simplement. Donc que vous vous absteniez, c'est presque dommage. Voilà, merci de m'avoir écouté. Merci. Alors, je vais autoriser deux très courtes interventions, parce que bon, voilà, il s'agit d'un vœu, voilà, donc on ne va pas faire la méthode métropolitaine, 2 minutes et demie pour le présenter, 2 minutes et demie pour y répondre. Mais là, on a compris, et donc je vais conclure et passer... ce vœu aux voix. Donc, monsieur Simion, vous avez 1 minute, et monsieur Gimena, en tant que rapporteur du vœu, en aura 1 et demie. Je vais être très rapide. Une fois n'est pas coutume, c'est moi qui vais poser une question à monsieur Lamy. Il a parlé tout à l'heure d'initiatives parlementaires. Est-ce que vous voulez parler, en l'occurrence, de celle du député socialiste Guillaume Garot, qui a proposé. Par contrainte, une régulation des médecins qui a été rejetée par votre majorité à l'Assemblée. C'est de ça dont vous voulez parler. Mais ouais, ça a été rejeté, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est dommage. Éclairage. Non, il n'y aura pas... Monsieur Simion. En tout cas, en ce qui me concerne, il n'y aura pas d'éclairage. Il y aura simplement une petite observation. L'idée de notre vœu, c'était simplement d'avoir une fonction d'alerte. Tout simplement. Ça a déjà été dit. Ce vœu n'a pas vocation à mettre sur la table des pistes d'action concrètes, pratiques et tout ça. Mais on voit bien qu'il y a, je dirais, une envie
de faire des propositions, en tout cas de réfléchir collectivement. Donc, parce qu'il a cette fonction d'alerte sur un constat que nous partageons tous, je suis très, très étonné de votre abstention. Je disais à Salois, avant de venir, si sur ce vu, il n'y a pas l'unanimité, je ne comprends plus la vie. Bien, pour conclure et avant de mettre le vœu aux voix tel qu'il a été amendé, dont les amendements ont été acceptés par les rapporteurs, je veux vous indiquer que j'ai confié en effet à M. Simion une mission spécifique dans le cadre de ces délégations, puisqu'on est tout à fait dans le cadre du champ de ces délégations, pour réactiver, suite à ce vœu ou dans le cadre de ce vœu, un dialogue avec les médecins généralistes qui sont les représentants dans ce champ-là d'intervention au titre de la CPTS et avec les services de la municipalité. Ce qu'on constate quand même, c'est qu'on revient toujours vers la municipalité. Nos compétences ne peuvent pas être toujours élargie comme cela, sans que par ailleurs on ne nous donne pas non plus les moyens d'agir. Alors c'est vrai que la loi 3DS a ouvert cette possibilité pour les municipalités, mais j'attire votre attention sur le fait que c'est un nouveau champ qu'il nous faut explorer. Donc c'est pour ça que j'ai demandé une mission particulière et j'ai demandé à ce que on puisse avoir un rendu. Donc Madame Zagnoudi, mais à un autre titre, participera à cette mission. Il appartient à M. Simion de former le groupe. Et, un rendu des observations, des conclusions, des premières pistes pour la fin de l'année, donc pour le mois de décembre, pour qu'on puisse ensuite éventuellement arriver jusqu'à une délibération. Je veux dire également que les dispositifs de la région... Et vous aurez la charge, M. Simion, de nous faire aussi un point là-dessus. Les dispositifs ne sont pas ouverts comme cela par la région, puisque la région intervient dans les zones qui sont effectivement les moins denses, on peut considérer qu'on l'est, mais c'est l'ARS qui détermine les zones pour lesquelles, effectivement, et qui va définir ces zones en tension. Donc le dispositif, il apparaît correct, avec quand même attention des, parfois aussi un regard particulier des médecins généralistes qui peuvent voir d'un autre œil, parce que voilà, l'installation de médecins qui sont salariés par la région Occitanie. Il y a une piste qui est ouverte sur la question des formations qui me paraît intéressante et évidemment avec l'exploration des locaux qui serait nécessaire pour envisager ces pistes-là telles qu'elles seront évoquées. Voilà, je vous propose de mettre le vœu au vote. Pardon ? Oui, mais il vote pour, il l'a dit. Il a dit qu'il allait voter pour. Qui s'abstient ? 3 abstentions. Qui vote contre ? Donc c'est adopté, vous avez satisfaction, moins 3 abstentions. Ensuite, nous avons un vœu qui a été déposé par le groupe Colomiers Citoyenne et qui est rapporté par M. Vasquez. Merci Madame le maire, chers collègues. Un petit souci par rapport toujours au budget, on en revient toujours à ça, et c'est pour ça qu'on a déposé un petit peu ce vœu, parce que entre le budget et l'écologie aujourd'hui, ça fait un peu... l'axe central de notre démarche. Donc, à l'heure du tout numérique et de l'année de l'arbre à Colomiers, notre groupe Colomiers Citoyennes s'interroge sur la quantité de papiers envoyés par courrier aux élus. En effet, les comptes rendus des conseils municipaux, les ordres du jour et comptes rendus du CAS peuvent atteindre jusqu'à plus de 300 pages envoyées individuellement à l'ensemble des 40 élus. Depuis 2021, le ministère de la Transformation et de la Fonction publique a réalisé un guide objectif zéro, papier. Et je cite, « La dématérialisation, ce n'est pas seulement une transformation économique et écologique pour une administration plus exemplaire, c'est également accélérer, simplifier et fluidifier le travail et les circuits de décision, dixit,
Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction publique. À l'heure du tout numérique et au vu du volume d'informations, continuer à imprimer autant de pages nécessitant juste une consultation relève d'une inconscience environnementale que nous ne sommes pas cautionnés. Effectivement, conscient que les techniques de l'information et de la communication numérique ne sont pas vertes, puisqu'elles consomment de l'électricité et émettent des émissions de gaz à effet de serre, en comparaison avec l'utilisation dévastatrice du papier, celle-ci représentant un meilleur compromis quant à la diffusion des informations. La surface de la forêt française a progressé de 2/3 en 200 ans, mais cela reste insuffisant. Les fibres utilisées dans la fabrication du papier proviennent pour 70% de bois de coupe, d'éclaircies nécessaires à la croissance des forêts, les 30% restants de déchets d'activité des scieries. Les papetiers utilisent du bois éco-certifié bénéficiant d'un label de gestion durable, dont en 20 ans, les investissements éco-responsables de l'industrie papetière ont généré une diminution de 80% des rejets dans l'eau et de 30% des consommations d'énergie. Le papier peut se recycler 5 fois sans que sa qualité soit altérée, et dont selon l'ONF en France, près de 60% de l'ensemble des supports imprimables, que sont papier, carton, emballage, etc., sont fabriqués à partir de vieux papiers. Et notre vœu, c'est afin de nous associer à ces démarches écologiques, nous demandons donc que tous les documents envoyés aux élus soient dématérialisés afin de préserver notre planète pour faire preuve de bon sens et de pragmatisme. Nous disons que planter des arbres comme nous le faisons, effectivement, nous y sommes favorables. Pour en faire du papier, nous disons non. À l'avenir, pourquoi ne pas envisager de travailler sur des tablettes durant la durée du mandat qui serait restituée à la fin de celui-ci ? Merci. Merci. Madame Vaucher. Oui. Bien. Alors, Monsieur Vasquez, je voudrais quand même d'abord vous remercier d'aborder cette question de la dématérialisation, parce que c'est un sujet sur lequel, en fait, nous travaillons depuis le début du mandat et plus particulièrement ces derniers mois sous la houlette de Benjamin Rioux. Mais il y a un mais, évidemment. Je me vois obligée, au nom du groupe Escrit Colomiers, de corriger certaines inexactitudes, voire même erreurs, qui jalonnent votre vœu. Alors déjà, première chose, nous sommes 39 élus et non 40 au sein de ce conseil municipal. Alors, c'est pas sur le fond, mais c'était quand même important de le repréciser. Alors, vous évoquez... et je vous cite la quantité de papiers envoyés par courrier aux élus de cette assemblée en lien avec le conseil municipal et également le CCAS. Alors, premier point, depuis fin 2021, les procès-verbaux du conseil municipal ne sont plus imprimés et les documents du conseil municipal vous sont envoyés en version papier et en version dématérialisée via le portail FAST, donc depuis fin 2021. Alors pourquoi cette concomitance de l'envoi papier et du numérique pour le conseil municipal ? Eh bien, nous sommes dans une phase de transition, où le temps est laissé aux élus et aux services également, de s'approprier l'outil numérique. Une fois prêt, il appartiendra à chaque élu de se prononcer sur le numérique ou le papier, comme le prévoit la loi Engagement et Proximité. Mais je vous y invite, je vous y engage, vous pouvez le faire d'ores et déjà si vous le souhaitez. Deuxième point, le CCAS. Alors j'ai distingué parce que le CCAS est une entité qui est distincte du conseil municipal et où y siègent seulement 8 élus. Alors sachez que la réflexion de la dématérialisation est en cours, mais qu'elle nécessite des moyens techniques différents. Alors après, vous mettez en avant dans votre vœu des chiffres sur les forêts, la filière bois et la papeterie, et qui montrent une véritable évolution positive, en fait. Alors vous nous dites, par exemple,
Et je vous cite, la surface de la forêt française a progressé de 2/3 en 200 ans, mais cela reste insuffisant. Nous sommes d'accord avec vous, mais néanmoins, permettez-moi de souligner que c'est une bonne chose. Vous ajoutez, je vous cite encore, les fibres utilisées dans la fabrication du papier proviennent pour 70% de bois de coupe d'éclaircie nécessaire à la croissance des forêts, les 30% restants de déchets d'activité des scieries. Cela démontre que la filière bois française est exemplaire, puisqu'elle contribue au bon entretien de nos forêts sans les détruire. Enfin, vous nous donnez les informations suivantes sur l'industrie de la papeterie. Je vous cite encore, les papetiers utilisent du bois éco-certifié, bénéficiant d'un label de gestion durable. En 20 ans, les investissements éco-responsables de l'industrie papetière ont généré une diminution de 80% des rejets dans l'eau et de 30% des consommations d'énergie. Le papier peut se recycler 5 fois sans que sa qualité soit altérée. Près de 60% de l'ensemble des supports imprimables est fabriqué à partir de vieux papiers. Bref, un véritable éloge qui démontre que la papeterie française est une industrie vertueuse qui permet l'entretien et la bonne gestion des forêts françaises. Par conséquent, le groupe Esprit Colomiers ne comprend pas vraiment où vous voulez en venir avec ces chiffres, qui sont au demeurant très intéressants, mais qui sont loin de diaboliser le papier, au contraire même, et qui pour autant semblent justifier pour vous de l'utilisation de tablettes. Alors que, à juste titre, dans votre vœu, et je vous cite de nouveau, vous rappelez, les techniques de l'information et de communication numérique ne sont pas vertes puisqu'elles consomment de l'électricité et émettent des gaz à effet de serre. Et en effet, différentes études de l'ADEME, du Shift Project, de Green IT et des Nations Unies également, remettent en question la vertu écologique de la dématérialisation totale. Car son impact environnemental, pardonnez-moi, est loin d'être neutre. Alors, quelques chiffres également. Le numérique représente 4% des émissions à gaz à effet de serre dans le monde. Et ce chiffre pourrait doubler d'ici à 2025, ce qui le ramènerait à autant que le transport routier actuellement. En France, le secteur de l'informatique représente 2% des émissions et risque d'atteindre les 7% d'ici 2040. Et chaque année, 170 000 tonnes d'équipements électriques et électroniques sont mis sur le marché, soit l'équivalent de 17 tours Eiffel. Au regard de tous ces éléments, il faut garantir le suivi d'un produit numérique tout au long de sa durée de vie. Le vrai enjeu de la dématérialisation, c'est l'enjeu des outils connectés. Et donc, il faut s'assurer de leur fabrication, l'origine des produits, pour limiter un maximum l'impact de cette phase, donc la phase de fabrication des produits connectés, qui représente 80% de l'impact total du numérique. Il faut aussi s'assurer de la phase de transport, de distribution, de la phase d'usage, comment allonger la durée de vie, comment garantir la maintenance. Et enfin, en bout de chaîne, la mise au rebut, la collecte et le recyclage, qui est devenu aussi un gros enjeu environnemental. Pour conclure, il est important, selon notre groupe, de se poser de manière rigoureuse la question des mérites écologiques du papier et du numérique. Que ce soit la dimension du stockage et de la transmission des données, et vous l'avez compris, celle des outils utilisés. C'est pourquoi nous avons choisi de nous engager dans la démarche du Green IT ou numérique responsable, afin de trouver la meilleure réponse environnementale au traitement de nos données. Et donc, vous vous en doutez, ça ne passera pas forcément par l'achat de tablettes, même si ça peut être réfléchi. Et vous comprendrez que malgré vos bonnes intentions, dont je ne doute pas, le groupe Esprit Colomiers ne peut pas voter ce vœu. Je vous remercie. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Monsieur Gimenin ? Oui, merci d'avoir proposé ce vœu. Cependant,
de notre point de vue, il est un peu incompréhensible. Alors, je ne vais pas dire un peu ce que Mme Vauchère vient de dire, mais c'est vrai qu'il est contradictoire. D'une part, vous faites l'apologie du papier, avec raison, en faisant un copier-coller grossier, de mon point de vue. Et d'autre part, vous dites, de ce copier-coller, vous allez vers, il faut effectivement utiliser les tablettes. Quand on envoie un mail avec une pièce jointe, c'est comme si vous faisiez 500 mètres avec une voiture thermique. Un mail avec une pièce jointe, c'est 500 mètres en bagnole. Donc, aller directement sur la question de la dématérialisation sans se poser tout ce qu'il y a derrière le rideau, c'est une erreur fondamentale de mon point de vue. Si vous aviez eu comme objectif de nous faire travailler collectivement sur la question qui, de mon point de vue, est la question cardinale dans les années qui arrivent, c'est la question de la sobriété, là, on aurait pu avoir un terrain d'entente. Parce que dire qu'on devient vertueux parce qu'on passe au numérique, c'est tromper les gens. Tout dépend de comment vous allez utiliser le numérique et tout dépend comment vous allez utiliser le papier. Je ne sais pas combien de temps, je n'ai pas calculé, Monsieur Vasquez, vous avez pris pour lire votre vœu. C'est très clair. Si vous mettez plus de 2 minutes et 58 secondes pour lire un mail, sortez-le en papier. Parce que le coût énergétique d'environ 3 minutes de lecture de mail sur votre ordinateur, n'est pas efficient. Par ailleurs, c'est une histoire de bon sens. À Toulouse Métropole, nous avons des tablettes. Mais ce n'est pas ce document-là. J'ai connu Toulouse Métropole avant les tablettes. Je ne sais pas si vous m'arrêtez si je me trompe. On avait des piles comme ça de papier pour 137 conseillers métropolitains de mémoire. Comme ça. Vous imaginez, moi, je me rappelle avoir trouvé un sac à dos pour pouvoir mettre les documents dedans. Donc là, on peut comprendre, là. Mais même à ce niveau-là, même avec une tablette, quand vous avez un groupe conséquent et qu'à chaque fois que vous envoyez ce document énorme, énorme, à l'ensemble des membres de votre groupe politique, je pense que ça serait intéressant de regarder un peu quel est le coût énergétique de ça, quels sont les tenants et les aboutissants des data centers, de la dématérialisation. Madame Vauchère en a parlé tout à l'heure, ce qu'il y a derrière le rideau aussi en matière de matériaux pour construire tous ces objets connectés ou pas. Et là, on aurait peut-être quelque chose qui serait de l'ordre un peu de « je comprends que finalement, c'est pas forcément la meilleure des solutions, en tout cas, c'est pas l'unique solution que de dire « on va arranger les choses parce qu'on va dématérialiser ». C'est une erreur fondamentale. Et puis dernièrement, pour terminer, on ne peut pas voter ce vœu, on ne peut pas le voter, parce qu'il n'est pas construit correctement. Alors là, pour le coup, ce n'est pas une contradiction dématérialisée, elle est concrétisée dans ce texte. Vous dites, c'est super le papier, on a fait des efforts, et en même temps, il faut dématérialiser. C'est incompréhensible. Et puis en même temps, vous faites un doux mélange dans les arbres, parce que vous faites le lien entre planter des arbres pour lutter contre des îlots de chaleur et le papier. Quand vous terminez en disant « planter des arbres, c'est bien, mais c'est quoi cette contradiction à trois balles ?» Mais si, ça y est dans le texte. On va conclure. Voilà. Donc, moi, je crois qu'on a raté une opportunité de se qualifier collectivement et de travailler sur les questions de la sobriété. Au revoir. Alors, est-ce que le groupe osons un commentaire ? Pas de commentaire sur ce vœu ? Alors, à ce stade-là, donc, vous avez compris
Juste, je vous explique la procédure. Hein. Soit vous maintenez votre vœu, je le fais voter, il sera refusé. Soit vous le retirez. Voilà, c'est la procédure en général. Oui, oui, bien sûr, Monsieur Vasquez. Oui, oui, je vous en prie. Voilà, juste, je vais être bref, Madame le maire, juste pour m'exprimer, notamment sur les conclusions qui ont été faites par votre groupe et par celle de Monsieur Gimena. Pour relever simplement que M. Gimena, je pense qu'il faudrait qu'il change de banc aujourd'hui, qu'il vienne s'asseoir à côté de vous, parce que en fait, je m'aperçois que son langage, voilà, n'a pas de sens, quoi, franchement, par rapport à quelqu'un qui se dit écologiste. Mais ça, ça dépend que de mon intervention et ça dépend que de ce que je pense de M. Gimena. Quant à Mme Vauchère, j'ai bien relevé qu'effectivement, vous avez... C'est un nouveau vœu que vous formulez, mais, non, mais... celui-là, il n'était pas inscrit à l'ordre du jour. Non, on l'étudiera prochainement. D'accord. Pas de problème. Quant à Mme Vauchère, donc, c'était, j'ai relevé, en fait, toutes les petites anomalies que vous avez pu relever dans le vœu que nous avons soumis, effectivement. Mais je vous rappelle qu'au départ du vœu, il est écrit que depuis 2021... Le ministre de la Transformation de la Fonction publique a réalisé un guide avec zéro objectif de papier. C'est pas moi qui l'ai écrit, c'est le ministère qui l'a écrit. Par rapport à du bon sens, je ne suis pas un écologiste dans l'âme, hein, contrairement à d'autres personnes, voyez-vous. Mais par rapport justement à l'année de l'arbre, par rapport justement à toute cette protection qu'on peut faire dans notre environnement, on a pensé que faire un vœu allant dans ce bon sens par rapport justement à ne pas utiliser le papier et le remplacer nous paraissait quelque chose d'intéressant. Voilà. Mais bon, le vœu, je le laisse, vous le laissez au vote et comme ça, il y aura une expression. Oui, monsieur Rioux. Monsieur Vasquez. La question écologique majeure dans la transmission des données n'est pas « faut-il choisir entre le papier et le numérique », même si elle subsiste, mais plutôt « comment limiter la pollution générée par la fabrication et l'accumulation d'objets connectés ». La France est 8e au classement des pays qui génèrent le plus de détritus électroniques, soit environ 20 kg par an et par habitant. En 2016, chaque Européen avait 5 équipements numériques par personne. Aujourd'hui, c'est 9. Nous ne souhaitons pas contribuer à ce suréquipement s'il n'est pas nécessaire. Et c'est pourquoi nous prenons le temps de la réflexion. Néanmoins, si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de faire la demande au service de la ville pour ne plus recevoir les informations papier et d'utiliser le service Fast Élu qui est actif depuis 2017. Nous avons fait le choix de maintenir les deux possibilités pour que certains de nos confrères moins à l'aise avec le numérique puisse évidemment garder le même niveau d'information, ni plus ni moins. Merci pour cet éclairage, cher collègue, merci beaucoup. Je mets donc le vœu de M. Vasquez aux voix, sans amendement, puisque personne n'a proposé d'amendement, qui s'abstient. 3 abstentions, 4 abstentions. Qui est contre? C'est enregistré. Le vœu n'est pas adopté. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, parce que nous sommes presque à l'aune des vacances d'été, comme on dit, eh bien, écoutez, j'espère que vous profiterez de cette période pour vous reposer, profiter de vos familles et du repos bien mérité. N'oubliez pas toutes les festivités qui auront lieu dans la ville et particulièrement le feu d'artifice et la fête locale à partir du 12 juillet. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci, madame la maire.